Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir chez moi, parce qu'on est vraiment chez moi, c'est la première fois, je crois, Sébastien Jalamion. Bonjour. Bonjour, Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je pense qu'un certain nombre de gens parmi les spectateurs connaissent déjà Sébastien, mais bien sûr, on va, dans une première partie de l'émission, on va le présenter à nouveau. Et ensuite, on fera un pont un peu avec l'actualité qui est très riche. Il y a une semaine, il y a eu l'attentat dans la préfecture de police et le meurtre par ce monsieur, Michael Harpon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc évidemment, j'ai envie de vous poser des questions sur ce sujet. Mais on va revenir à la base. Alors, vous étiez policier parce que vous ne l'êtes plus. Alors je crois que tout a commencé, l'année c'est en 2014, ça a commencé par quelque chose que vous avez publié sur Facebook. Absolument. Qui a entraîné toute une série de catastrophes. Voilà, alors plus précisément c'était en septembre 2014. Oui. Un événement assez marquant a été donc l'enlèvement et la décapitation du guide de montagne Hervé Gourdel en Algérie. Je vous interromps tout de suite parce que effectivement, je vais mettre une photo d'Hervé Gourdel parce que vous avez dit quelque chose dans une vidéo que j'ai vue de vous qui m'a marqué. Mm-hmm. Vous avez dit ce type-là, on l'a déjà tous oublié. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand j'ai lu votre livre, il a fallu que je cherche pour trouver qui était ce mec. Alors que je m'intéresse à l'actualité politique, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'attentats et je voulais vraiment signaler ça qu'on oublie nos morts. Déjà, bon, ça c'est le premier point. Alors dans mon cas, je risque pas de l'oublier vu tout ce qui bien sûr que vous arrivez, ouais. Suivi, mais il apparaît que Hervé Gourdel avait été décapité en signe d'allégeance à l'État islamique, oui. Qui lançait à la même période une propagande qui consistait à un appel au meurtre en fait, vis-à-vis des Français. En donnant le mode opératoire. Si vous n'avez pas d'armes, utilisez un couteau. Si vous n'avez pas de couteau, une pierre, un véhicule, etc. Et en fait, on remarque que ces appels à commettre des meurtres qui n'ont pas été manifestement suffisamment pris au sérieux se sont produits sur notre territoire dans les mois et les années qui ont suivi. Oui. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, on les prend au sérieux. Aujourd'hui, quand on parle de l'État islamique, on sait qu'il y a une menace, on sait qu'il y a un danger. Oui. À cette époque, manifestement, tout le monde est passé à côté, parce que c'était de l'autre côté de la Méditerranée, parce que ça s'est passé en Algérie. Mais pour avoir vu, à l'époque peut-être par le plus grand des hasards, la vidéo de la décapitation d'Hervé Gourdel, c'est interminable. C'est une exécution d'une barbarie sans nom. Oui. Et les individus, les terroristes, les assassins d'Hervé Gourdel se sont revendiqués comme étant membres d'ACMI, c'est-à-dire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui était donc proche de la mouvance de Ben Laden, qui avait été tué à l'époque, Al-Qaïda, et donc qui cherchait manifestement un nouveau chef, un nouveau groupe, des nouveaux porteurs de leur idéologie, et appliquant les instructions données par l'État islamique en exécutant le français Hervé Gourdel du seul fait qu'il était français, ils ont fait allégeance à l'État islamique. C'est-à-dire qu'en fait, pour être bien clair, ce n'est pas l'État islamique qui a commandité ça. Non. C'est-à-dire qu'en fait, un groupe l'a fait, autonome. Un groupe terroriste qui a décidé... C'est encore plus grave. Absolument. Oui, oui. Absolument. Alors, je ne sais plus si c'était avant ou après. On a eu aussi cette histoire que tout le monde a oubliée d'un type qui a été décapité sur le sol français. D'ailleurs, c'était dans la région, c'est dans le coin, en fait. Oui, Saint-Quentin-Fallavier. Voilà. Toutes ces choses étaient annonciateurs de l'apocalypse qui après aboutit sur le Bataclan, etc. Donc, voilà. Donc, vous avez réagi, mais en fait, sur un compte qui n'était pas un compte personnel, en fait. C'était un compte que j'avais créé en 2011, si ma mémoire est bonne, qui était un compte anonyme. Oui. C'était un petit peu, je dirais, mon violon d'Ingres. C'est-à-dire que j'y exprimais non pas des opinions politiques, j'étais pas dans le militantisme, c'était même plutôt littéraire, puisque j'avais un site littéraire à l'époque, qui s'appelait raconte-moi.fr, qui n'existe plus, mais qui était axé sur la littérature. C'était complètement léger, je dirais. C'était pas du tout ni engagé sur le plan politique, ni engagé sur le plan de l'islam. C'est pas des sujets que j'avais l'habitude de traiter. Et puis alors là, donc, à partir du moment où j'ai publié ses réactions à chaud, je suis allé jusqu'à mettre la photo, par exemple, d'Al-Baghdadi, qui a les photos proclamées de l'État islamique avec une cible, ce genre de choses. Et
J'ai été convoqué par ma hiérarchie un lundi matin en prenant mon service. Et j'ai vu la copie d'écran de ses publications, en fait, qui était sur son bureau. Et j'ai rapidement compris que j'avais été dénoncé, en fait, par une de mes collègues de travail qui s'était dit choquée par ses publications. Et puis là, donc, ça a été le point de départ de tout ce qui s'en est suivi et que je raconte dans mon livre « Amour le flic ». Ce qui est intéressant aussi, c'est, ça vous le dites dans votre livre, c'est que quand vous avez été convoqué la première fois, si vous aviez dit finalement « Ah non, mais ce compte, c'est pas moi, hein. On a dit que c'était moi, mais ma collègue a inventé. » Ah bah, je serai encore policier. Voilà. Finalement, vous avez payé votre honnêteté. C'est un peu ça, oui. Mais aussi. Pour moi, c'était tellement, comment dire, j'étais tellement de bonne foi. Ouais. C'est-à-dire que j'étais tellement convaincu que tout cela allait accoucher d'une souris. Oui. Que ça, d'une part, ça pouvait rester en interne, et puis d'autre part, que ça coulait de source pour moi. C'est-à-dire que cette réaction, pour moi, la réaction que j'ai eue, elle était tout à fait normale. Oui, bien sûr. N'importe quelle personne qui avait assisté à cette scène de décapitation dont je vous ai parlé aurait dû avoir la même. Je comprends, Voilà. Et donc, par conséquent, je ne comprenais pas qu'on me reprochait à moi d'avoir réagi à cette horreur. Je vois tout à fait une espèce de surprise, une innocence. On vous demande, c'est vous qui avez ce compte ? Bah oui, c'est moi qui ai ce compte. Vous voyez pas où est le mal, en fait. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la collègue qui vous a dénoncé était de confession musulmane. Oui, enfin, elle se revendiquait pas de confession musulmane, mais elle expliquait que sa famille était musulmane et qu'elle avait été personnellement choquée par le contenu de mes publications. D'accord. Voilà. Oui, donc il y avait un mouvement de confiance initial envers cette personne de votre part, qui finalement vous l'avez payé ensuite. Oui, mais à la rigueur, le fait d'avoir été dénoncé par cette personne, avec qui je m'entendais par ailleurs très bien, puisque je l'avais invité au nombre de mes amis Facebook, je dirais que ce n'est pas le plus grave. Oui. Le plus grave, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de sanction, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est quand même ce qu'en a fait la hiérarchie. Elle-même ne peut peut-être même pas savoir jusqu'où ça irait. Évidemment, peu importe, je dirais, j'irais pas jusqu'à lui trouver des excuses, ce genre d'excuses. Je pense qu'elle était plutôt satisfaite de ce qui m'est arrivé. D'accord. Mais il est clair qu'il y a eu une volonté de faire de moi un exemple, mais que ma hiérarchie directe, j'allais dire, c'est-à-dire le commissaire de police en charge du service auquel j'appartenais à l'époque à Lyon, estimait que ça valait un blâme et encore, bon voilà, c'était histoire de dire on va prendre une sanction. Oui. Mais c'est le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, qui était à l'époque Albert Doutre, qui estimait que non seulement ce n'était pas suffisant, mais qu'il fallait saisir le conseil de discipline de la police nationale et également la justice, en l'absence de toute plainte, on est bien d'accord. C'est il n'y a jamais eu de dépôt de plainte, ni d'association dite antiraciste, qui s'est constituée partie civile. C'est-à-dire que toute l'affaire repose sur une dénonciation de ma hiérarchie à l'autorité judiciaire. D'accord, Et là, c'est le point de départ, je dirais, de... Je ne veux pas non plus révéler, pour ceux qui ignorent mon parcours et qui voudraient le découvrir à travers mon livre. Mais si, on ne va pas faire tous les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que c'est un scénario, d'après les retours que j'ai eus, beaucoup ont trouvé ça kafkaïen. Oui, c'est le mot. Une certaine réalité qui dépasse la fiction. Oui. Moi, j'ai vu une vidéo où vous intervenez, je ne me souviens plus exactement le titre, mais je le retrouverai pour nos amis téléspectateurs. J'ai été choqué au dernier degré. La première fois que vous avez comparu devant des juges, en fait, alors moi je sais parce que j'ai aussi eu un procès, c'est qu'on vous demande si vous êtes bien Sébastien Jalamion, vous dites oui, et après on dit votre adresse. Alors, vous allez dire quel est le problème ? Bah, le problème, c'est que dans la salle, il peut y avoir également... Il y a des individus qui peuvent correspondre tout à fait à la définition de ce qu'on peut appeler des radicalisés. C'est ça, Oui. Voilà, donc en fait, on expose sans vergogne un fonctionnaire de police en poste en divulguant publiquement son adresse. Quand on sait que l'État islamique a particulièrement insisté sur le fait que les policiers étaient parmi les cibles prioritaires. Absolument. Alors, tout de même, sans rentrer dans le détail, comment on en arrive à l'expulsion, c'est-à-dire vous n'êtes plus policier. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là ? Alors, ça prend du temps. C'est-à-dire que la procédure administrative, elle se déroule devant le conseil de discipline. Il y a une convocation, donc on comparaît, on peut être assisté d'un défenseur. Le conseil de discipline, qui est une commission paritaire, où il y a des représentants de l'administration d'un côté, de l'autre côté des représentants du personnel, c'est-à-dire des syndicalistes, fait une proposition de sanction. La proposition de sanction remonte à l'autorité disciplinaire, qui est à Paris, donc c'est la direction générale de la police nationale. Et c'est à ce niveau-là que la sanction se décide. D'accord. Voilà. Donc, à l'époque, le ministre de l'Intérieur était Bernard Cazeneuve. Oui.
Et entre le moment où la sanction a été définitive de révocation a été prononcée et la première sanction en fait qui a été prononcée à mon encontre, c'était une suspension de 2 ans. D'accord. Et on m'avait clairement intimé l'ordre, ou en tout cas donné le conseil appuyé, de ne pas oublier que j'étais toujours astreint à une obligation de réserve. D'accord. Tout en ayant restitué ma carte de police et en ne percevant plus mon traitement, oui. Je suis considéré policier pour tout ce qui concerne les prises de parole. Okay. Je n'en ai pas tenu compte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ça n'a fait qu'aggraver mon cas. Et j'ai fini par recevoir, en fait, ma révocation par voie postale. Voilà. Oui, oui. Mais bon, sans rentrer dans les détails, il y a toute une chronologie. Oui. Des événements particulièrement graves. Oui. Qui se sont produits, et notamment donc, eh bien, l'attentat de Magnanville. Oui. À la suite duquel. Donc, j'avais... pour rappel aux gens, deux policiers qui ont été suivis et tués par un islamiste qui était d'ailleurs connu des services de renseignement. Qui était déjà fiché S, enfin fiché FSPRT. D'accord. Qui s'appelait Larossi Abala, qui avait en plus utilisé les réseaux sociaux. Oui. En l'occurrence, il me semble que c'était Facebook. Mm-hmm. Pour annoncer ce qu'il allait faire, oui. Sans donner les détails bien entendu, mais aussi pour filmer son acte en oui. direct ah, oui. sur place. D'accord. Et... cette vidéo n'a pas circulé à ma connaissance. En tout cas, la vidéo, s'il a filmé le meurtre... Ça avait été révélé. Okay. D'accord, donc d'accord. Il avait filmé avec son téléphone en direct sur Facebook ce qu'il venait de faire et il montrait le corps des, des policiers qui venaient d'assassiner. Mais bon, tout ça pour dire que ça avait soulevé une indignation. Mm-hmm. On avait parlé à l'époque d'un cas, d'un loupé en fait. Hein. Ouais. C'est toujours des loupés, il est passé à travers les mailles, on n'a pas su détecter son passage à l'acte, etc. Et puis en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que tout était parfaitement prévisible, d'une part, mais aussi pour ceux qui ont suivi les rebondissements de cette affaire, il y a eu une pluralité d'individus. L'enquête n'est toujours pas terminée, en fait. Hein. Il y a toujours une instruction en d'accord, cours concernant là-dessus. Les circonstances et puis voir si, éventuellement, il n'y avait pas des complicités, comment, pourquoi il a ciblé ces fonctionnaires de police-là oui. et pas d'autres. Est-ce qu'il a eu des informations? Est-ce que quelqu'un lui a communiqué ouais. Bref, il y a eu une vague d'interpellations qui, quand même, pose un certain nombre de questions puisque parmi ces personnes qui avaient été interpellée, figurait une ancienne secrétaire départementale d'un syndicat de police majoritaire. D'accord. À qui on a reproché d'avoir été en contact, d'avoir invité, en tout cas, une personne radicalisée fichée S. D'accord. Dont le frère était un ami de l'auteur. Et on s'est rendu compte qu'elle avait travaillé avec les deux fonctionnaires qui ont été assassinés. Donc, au fort de ces événements, une perquisition a eu lieu à son domicile. On a retrouvé une clé USB sur laquelle figuraient des listes de noms de fonctionnaires de police et qu'elle avait remis à sa fille en disant avoir effacé les données. Mais en fait, on n'efface pas complètement les données. Quoi qu'il en soit, on a retrouvé la liste, enfin la trace des fichiers qu'elle contenait. Et bizarrement, au bout de 3 ou 4 jours de garde à vue, je crois, elle a été relâchée, remerciée du syndicat Alliance. D'accord. Et nommé à un poste supérieur, en l'occurrence brigadier-major de police. D'accord. Donc, le profil de cette personne est assez inquiétant, puisque, eu égard à ce qui s'est passé donc, le 3 octobre, l'attentat de la préfecture de police, ouais. On avait affaire donc, à un individu qui s'est converti à l'islam après avoir intégré la police nationale. Et il apparaît que la personne dont je parle, là, était elle aussi une convertie. D'accord. À l'islam. D'accord. Ouais. Sa fille l'était aussi, et c'est pour ça qu'elle avait une copine radicalisée, dont le frère était un ami du terroriste qui d'accord, a tué 2 policiers à leur domicile. Oui, donc on donc a. Y a une espèce c'est de un merta, phénomène. Une c'est pas. De plomb. Oui, puis il y a une chape de plomb vis-à-vis de ce genre de sujet, c'est-à-dire que vu que ça met en cause peut-être une absence de vigilance c'est au ça, sein de l'administration oui. policière, eh bien, on veille à ce que les médias n'en sachent pas trop non plus. D'accord. Et on préfère tuer la polémique. Quitte à terre ce qui est finalement d'intérêt public, oui, oui. parce que je pense que ça concerne tout le monde. Si la police se fait noyauter,
ça concerne la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Extrême, bien sûr. Exactement. On reviendra tout à l'heure, si bien vous sûr. voulez, oui, sur oui, tout à fait, tout à fait. Les révélations qui ont été faites autour de, du cas de Michael Harpon, qui sont juste hallucinantes. Incroyable. Mais je voudrais rappeler simplement que il a été signalé par deux de ses collègues en 2015 pour s'être vanté sur verbalement en direct quoi, il l'a dit, et sur son lieu de travail. Ouais, c'est très grave. Sur son lieu de travail, pas dans le privé, sur son lieu de travail. Il s'est réjoui des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, ce qui n'a pas été dit dans la presse, mais de sources policières, on sait qu'il a aussi vanté l'attaque de l'hypercacher. Et par conséquent, le signalement a été fait par les fonctionnaires de police qui ont été témoins ou qui ont entendu ces propos. Ils ont fait leur boulot, ils l'ont dit. Mais sous prétexte qu'il n'y a pas de trace écrite, on dit que c'est de la faute des fonctionnaires qui l'ont dit parce qu'ils auraient dû écrire. Mais ça ne marche pas comme ça dans l'administration. Ouais. On a une obligation de rendre compte, on le fait verbalement. Oui. Ensuite, on attend les instructions. Si la hiérarchie dit « vous faites un rapport », on fait un rapport. Ah, si elle dit « vous ne faites pas de rapport », on ne fait pas de rapport. Et si on décide de faire quand même un rapport et qu'ils ne veulent pas que ça soit transmis au-dessus, il est court-circuit et il passe à la corbeille. Mais ce qui est incroyable, c'est que... En fait, là... Juste pour dire, 2015, dans le même temps, j'étais suspendu. Oui. Comprenez le poids de mesure. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, la hiérarchie policière estime que quelqu'un qui se réjouit des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher peut continuer à exercer ses fonctions au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police. Ça veut dire en ayant une accréditation secret défense. Et dans le même temps, on fait un exemple avec moi pour des publications à deux balles sur Facebook. Ouais. Anonyme. Incroyable. Voilà. Incroyable. Donc, mettre ces deux affaires en parallèle. Déjà, c'est énorme. Voilà. Mais surtout, là, c'est difficile de se dire que c'est de l'incompétence. On se dit, là, c'est pas une incompétence de la part de la hiérarchie. C'est qu'il y a une volonté de laisser des gens comme ça s'installer à des postes de police. On peut le voir que comme non, ça. Non, je dirais pas ça. D'abord, il y a un double phénomène. Ouais. Le premier, c'est qu'effectivement, par rapport à un certain nombre de débordements que peuvent avoir les policiers, par rapport à leur prise de parole, que ce soit sur leur lieu de travail, la hiérarchie qui en est saisie, elle ne peut pas fermer les yeux. Il faut qu'il y ait une sanction. D'accord. Dans mon cas, ça a été un peu excessif, mais je dirais, bon, je peux comprendre ça. Oui, oui. Mais d'un autre côté, paradoxalement, quand on touche aux problèmes liés à la radicalisation islamique, par exemple, il va y avoir une crainte d'être poursuivi pour discrimination. C'est un petit peu le bal des faux culs, si vous me permettez l'expression. On va donner un exemple. Ouais. Aujourd'hui, suite au drame qui s'est produit à la préfecture de police de Paris, on a le ministre de l'Intérieur, mais aussi le Premier ministre, le président de la République lui-même, qui dit « Oula, on va chasser l'hydre, on va serrer les mailles du filet, et puis on va réévaluer tous les agents, etc. » Mais ça, c'est du vent. Dire qu'il faut signaler des individus qui montrent des signes de radicalisation, déjà, il faut la définir. C'est quoi des signes de radicalisation? C'est le fonctionnaire qui fait sa prière? Où est-ce que ça commence? Donc, moi, j'ai une explication, moi, j'ai une réponse. C'est peut-être pas celle de l'administration. Ouais. Ils n'ont pas expliqué ce qu'ils attendent. Pour moi, éradicaliser quelqu'un qui fait passer les lois de l'islam avant celles de la République, point. Quelle que soit sa tenue vestimentaire, quel que soit s'il prie sur son lieu de travail ou pas, quelqu'un qui fait passer les lois de l'islam avant celles de la République, il est radicalisé, point. En l'occurrence, il a pas cherché plus loin. Pour Michael Harpon, ne pas serrer la main à une femme dans le cadre du travail. Par exemple, il y avait d'autres signes manifestement avant, notamment des témoins de son voisinage qui se trouvent être policiers également. D'accord. Qui ont révélé qu'ils le voyaient se rendre à la mosquée salafiste de Gonesse régulièrement. En tenue traditionnelle. Ouais. On peut considérer que ce n'est pas vraiment un signe de radicalisation, je dirais. Ouais. À partir du moment où on dit oui, la liberté vestimentaire, et tout, etc. Mais on peut continuer le bal des faux culs indéfiniment. Bien sûr. Ouais. À partir du moment où il exerce dans les services de renseignement qui met une tenue salafiste pour aller dans une mosquée salafiste, on considère qu'il y a au moins un signal d'alerte. Oui, bien sûr. Minimum. Ouais. Sachant qu'en plus, on a appris, grâce à l'une des enquêtes parlementaires qui a été ouverte suite au fait, de la bouche même de Christophe Castaner, qui n'était pas aux responsabilités à l'époque, mais en tout cas, donc, il l'a reconnu, il y a eu des dysfonctionnements flagrants, en ce sens que le nommé Michael Harpon s'est marié en 2014, et que le fait de se marier pour un fonctionnaire habilité secret défense, qu'il soit policier ou non, dès l'instant qu'on est habilité secret défense et qu'on se marie, c'est un changement de situation qui nécessite une réévaluation. Ah d'accord.
Et cette réévaluation n'a pas été faite. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il n'aurait peut-être pas passé la réévaluation. Sans quoi, on aurait peut-être pu se rendre compte qu'il était, depuis son entrée dans l'administration, qui date de 2003, eh bien, en 2014, il était probablement radicalisé. Il s'est converti à l'islam, je rappelle, en 2008. D'accord, d'accord. Alors, on va revenir sur ce cas, parce que ça fait l'actualité, mais je voudrais parler encore un peu de Magnanville. Au moment où ça arrive, donc c'est 2016, vous êtes au cœur de votre affaire, vous battez pour rétablir la justice. Comment vous le recevez ? Est-ce que vous vous dites, vous êtes conforté dans vos idées ? Est-ce que vous dites, finalement, c'est moi qui ai raison ? J'avais raison de craindre, j'avais raison de m'exprimer. Non. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? Non, j'étais pas dans cet état d'esprit, j'étais plutôt en colère. Ouais. Et j'avais le sentiment que nos dirigeants de l'époque, en particulier le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police nationale, ne voyaient pas ce qui était en train de se passer dans les rangs de la police nationale. Cette colère qui montait. D'accord. Elle s'est concrétisée, notamment par le mouvement des policiers en colère, qui s'est traduit par des manifestations sans précédent. Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Des fonctionnaires de police qui manifestent sur leur temps de service avec leur véhicule Giraud Deton sur les Champs-Élysées tous les soirs. Ouais. La mayonnaise qui prend dans toutes les villes de France. L'omerta des médias, mais les réseaux sociaux qui permettent de voir que c'est un phénomène d'une ampleur jamais vue. Mmh. Des tentatives de vouloir faire des exemples, comme avec moi, en sanctionnant des meneurs présumés qui se traduisent par un recul de la hiérarchie qui sent qu'elle perd le contrôle. Oui. Je vais citer un cas, c'est celui de Marseille, à l'évêché, c'est-à-dire l'hôtel de police de Marseille. Ils avaient convoqué quelques meneurs présumés de ce mouvement des policiers en colère. Mm-hmm. Ils sont arrivés une centaine de flics, quoi. D'accord. La hiérarchie fait OK, pas de sanctions. Okay. À partir d'un certain nombre, Donc là, on n'est passé pas loin. Je dirais de quelque chose de grave, puisque si une république ne repose plus que sur sa police et la police se révolte, voilà. Donc, ce qui s'est passé en 2016, je dirais que ça a été un grand loupé, parce que en dehors de tout syndicat, en dehors de tout mouvement politique, les policiers ont manifesté un ras-le-bol, en appelant d'ailleurs la population à se joindre à eux. Mmh. Et en fait, ça a été tué dans l'œuf. Ouais. Ça a été complètement tué dans l'œuf, mais c'était, je dirais, une préfiguration, paradoxalement. Oui. De ce qu'est maintenant le mouvement des Gilets jaunes. Je comprends. En fait, c'est l'histoire d'un raté. C'est parti, quoi. Voilà. Mais c'est parti d'un corps constitué. C'est-à-dire que c'est parti de la police nationale, ce mouvement de colère. Mmh. Certes, pour des raisons différentes. Là, en l'occurrence, il y avait eu à Viry-Châtillon des policiers qui avaient été donc, brûlés vifs. Ils ont survécu, mais avec des conséquences graves. Par des militants extrêmement gauches, c'est ça ? Non, c'est autre chose. C'est autre chose, ça, ouais. Non. Viry-Châtillon, pour vous situer, donc c'est en plein cœur de la cité, avec des trafiquants de drogue. D'accord. Qui, en fait, étaient ennuyés par la présence d'une caméra de surveillance. Mm-hmm. Donc, ils cassaient régulièrement la caméra de surveillance de la ville. D'accord. Donc, vu qu'ils cassaient régulièrement la caméra de surveillance de la ville et que ça coûtait de l'argent, le maire a demandé au commissariat de police s'il pouvait faire des rondes. Mm-hmm. Et Excel, ça s'est transformé en « vous faites un point fixe sous la caméra ». D'accord. Vous voyez le niveau quand même. Mmh. On mobilise des fonctionnaires de police pour surveiller une caméra de surveillance. Vous voyez le degré où on en est, quoi. Où on en était. Et donc, par conséquent, ils étaient exposés, ces fonctionnaires de police, parce que c'est le genre de quartier où il faut intervenir en nombre. Mmh. Et ils se sont fait prendre à partie par une trentaine d'individus qui ont incendié le véhicule et qui les ont retenus à l'intérieur. Mmh. Et alors même que tout le monde se pose la question de savoir mais pourquoi ils n'ont pas utilisé leur arme, eh bien en fait la réponse elle est simple, c'est qu'on met tellement la pression sur le fonctionnaire de police de base, celui qui est sur le terrain au quotidien, on lui met tellement la pression, il a tellement peur de la bavure, peur des violences policières, eh bien qu'il préfère se laisser cramer dans une bagnole plutôt que de faire usage de son arme pour sauver sa vie. Et donc à partir de là, ça a été la traînée de poudre grâce aux réseaux sociaux. Tous les fonctionnaires de police se sont sentis solidaires et ont commencé. Donc, ça a commencé à Paris, sur les Champs-Élysées. Voyant ça, les collègues ont dit « ça y est, c'est parti, nous aussi, on s'y met », etc. Donc, il y avait une vraie colère latente, en fait. Et à un certain degré, il faut que la colère s'exprime, que ce soit dans la police nationale ou au sein de la population. C'était la même chose pour les Gilets jaunes. Il y a eu un déclic. Ça a été donc l'augmentation des taxes sur le gasoil. On ne sait pas d'où vient l'étincelle, mais je dirais que quand il y a une poudrière, au bout d'un moment, elle s'enflamme, voilà, inévitablement. Mais ça a été un sérieux loupé, et là où on en est aujourd'hui, donc on est en 2019,
Il n'y a jamais eu autant de suicides au sein de la police nationale. Ouais. Ça continue, ça devient presque banal. On en est à 51 ou 53 à l'heure où je parle. Encore il y a quelques jours. Ouais. Et on se rend compte qu'il y a le problème de la radicalisation du nommé Michael Harpon, qui n'est pas un cas isolé, hein, soyons clairs. Ouais, ouais, ouais. Lui est passé à l'acte, c'est une première au sein de l'institution policière. Mais des individus seul, hein. surveillés pour leur radicalisation islamique, officiellement, il y en a 15. Sur la préfecture de police, il y en a 15. Donc déjà, première question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi ils sont encore dans la police ? Eh bien justement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que le bal des faux culs, il est là. Ouais. C'est-à-dire que dire, on va les signaler, très bien, mais après on fait quoi ? La loi ne nous permet pas de nous séparer d'un fonctionnaire de police au seul motif qu'il est radicalisé. Il faut autre chose. Je crois que je comprends le pourquoi vice, parce que fait. Sinon, c'est de la discrimination religieuse. C'est terrible. Donc on est pris au piège par les textes actuels, et donc on se contente de les surveiller. Alors certes, on peut faire en sorte qu'ils ne soient pas mis en contact avec le public, on peut faire en sorte qu'ils soient mis dans une sorte de placard doré, quoi, des sanctions déguisées, et puis on fait avec. Non, il faut les virer de la police, point barre. Ils peuvent accéder à des fichiers de police, ils peuvent accéder à des renseignements, et puis le BABA, juste le BABA, ils ont une arme. Oui, tout simplement. Voilà. Donc, c'est là qu'il y a un problème, et certaines voix s'élèvent parmi la hiérarchie policière, parce que le secrétaire général, du syndicat des commissaires de police, donc pas le policier de base, hein, celui des commissaires de police, a reconnu dans les médias, après l'attentat qui a été perpétré à Paris, qu'en fait, ils étaient dans l'impuissance de pouvoir sanctionner les policiers qui étaient radicalisés. Et donc, il en appelle, et à mon avis, il a raison, aux législateurs pour modifier les textes, pour nous permettre de pouvoir ensuite les virer. C'est là que ça se joue. La balle est dans le camp du législateur. Aujourd'hui, celui qui ne dit pas ça, il trompe son monde. Quoi. On est prisonnier en fait, de cette tolérance vis-à-vis des avis religieux. On ne peut pas dire, lui, je sais qu'il va passer à l'acte. J'ai vu passer aussi donc, des appels du CCIF, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, c'est une annexe des Frères musulmans de la lutte contre l'islamophobie, son cheval de bataille. Oui. L'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Mm-hmm. Enfin, c'est un chantage à l'islamophobie. Et ils ont fait un appel aux fonctionnaires de police en disant « Signalez-nous les cas d'islamophobie dont vous êtes témoin ou victime. » C'est passé comme une lettre à la poste, mais il y en a qui ont répondu présent. Mmh. Et qui disent « Ah oui, imaginez le radicalisé qui va se plaindre auprès d'une association dite anti-raciste. Bah, SOS Racisme a fait la même chose aussi, hein, mais ils n'ont pas parlé d'islamophobie, eux. Mais sur leur site, regardez, SOS Racisme Police, ils ont une rubrique pour les policiers victimes de discrimination. Pas auteur, hein, victime. Vous nous peignez un décor qui est terrible. Quoi, là. Et admettons une autre hypothèse aussi. Ouais. C'est qu'il existe, au sein de la police nationale, un individu qui a épousé les thèses de l'islam radical, pourquoi pas de l'État islamique. Oui. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Et qui décide de cacher son jeu. Comment on fait pour le détecter ? Puisqu'il ne présente aucun signe de radicalisation. Il est dans ce qu'on appelle la taquia, c'est-à-dire la dissimulation. Alors, c'est une bombe à retardement. Alors, on va dire, oui, mais là, on est dans la science-fiction. Pas du tout. Non, c'est pas ça. 2017, c'est que là, on ne peut pas reprocher à un législateur de ne pas faire le boulot. Parce que là, c'est dans la tête là, des gens. Là, ce n'est pas le législateur, mais pour dire que ça ne suffira pas. Il ne suffit pas de dire le risque zéro n'existe pas. Parce que ça, c'est un peu trop facile. Mmh. C'est ce qu'a dit pourtant le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre Édouard Philippe. Le risque zéro n'existe pas, mais on va resserrer les mailles de filet. J'ai envie de dire, quel filet, quoi. Faut tout refaire. Oui. Et à commencer, la peur d'être, sanctionné pour discrimination. Oui. Il est clair que ce n'est pas en faisant un exemple avec moi qui vont encourager les fonctionnaires de police à signaler leurs collègues qui décident de plus serrer la main des femmes ou de dérouler son tapis de prière entre deux vacations. Quoi. Oui. Voilà. Et par ailleurs, au-delà de cette peur du procès, pour revenir sur le cas de dissimulation, en 2017, on a eu un cas, un certain Mamadou D ou B, je ne sais plus, en région parisienne, qui était donc gardien de la paix, une quarantaine d'années, et dont on a su par la presse, je crois que c'était un article de l'Express à l'époque, qu'il était proche des idées de Daesh, de l'État islamique. D'accord. Après, mais comment il a pu rentrer dans la police, etc. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est même pas la police qui l'a détecté, c'est la justice qui a prévenu la hiérarchie policière, attention, vous avez une taupe. Oh là là. Alors comment c'est possible ? Eh ben, c'est pas compliqué. Son frère
était proche de la mouvance de Daesh. Ouais. Il a été interpellé, écroué. Oui. Et son frère lui rendait visite. Et la juge d'instruction, qui était en charge de faire l'enquête, s'est rendu compte qu'il était policier. Et lors des écoutes, des échanges avec son frère, s'est rendu compte qu'il épousait les thèses de l'État islamique. Donc, d'initiative, elle a dit « À propos, excusez-moi, mais l'un de vos policiers, je crois qu'il est un peu dangereux, là. » Putain, Henri, mais c'est terrifiant. Alors, c'est pour ça, quand j'entends aujourd'hui Édouard Philippe, c'est en 2017, hein, vous pouvez vérifier, vous tapez « Policier radicalisé Daesh 2017 », vous aurez l'info. Et c'est pour ça, quand j'entends aujourd'hui Édouard Philippe qui dit « On va resserrer les mailles du filet », j'ai envie de dire « Quel filet, quoi ?» Mais vraiment, comme le cas de cet ancien policier fichier FSPRT, c'est-à-dire donc pour sa radicalisation islamiste, suivi par la DGSI, donc les services de renseignement, et qui a pu être titularisé fonctionnaire de police. Et on s'est rendu compte après coup. Alors l'IGPN, ensuite, a fait une enquête, l'IGPN tout de suite, qui arrive à la rescousse. Et puis, je pense qu'ils ont dû trouver un motif pour le révoquer, mais on l'a quand même incorporé, alors qu'il était surveillé pour sa radicalisation. Quoi. C'est arrivé. Ouais. Donc, je dirais, il faut revoir les process, les enquêtes de moralité, de personnalité. À l'époque où je suis rentré dans la police, je suis issu de la 141e promotion de gardien de la paix. Donc, c'est quelle année ? Alors, c'était 1995, 16. D'accord. 16. Ouais. 16. Mmh. 1996, sachant qu'avant, j'ai fait mon service national. Mmh. Il était encore obligatoire à l'époque, dans les rangs de la police nationale. OK. 94-95. Et donc, où est-ce que j'en étais ? 2016. Donc, 141e promotion de gardien de la paix, il y avait des enquêtes de personnalité. Ah oui, voilà. Des enquêtes de moralité qui étaient faites. En quoi ça consistait, en fait ? À l'époque, les renseignements généraux étaient en charge, par rapport à ceux qui postulaient pour passer le concours, au préalable, avant même de les convoquer pour leur examen oral, enfin, pour l'écrit, ce n'était pas le cas, mais entre l'écrit et l'oral, ceux qui avaient passé les mailles du filet, justement, faisaient l'objet d'une enquête pour vérifier que leur situation personnelle, leur fréquentation, leur parcours de vie n'étaient pas incompatibles avec les valeurs nécessaires pour intégrer le corps de la police nationale. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce qu'il y avait une dimension aussi psychologique, c'est-à-dire voir si le gars est stable, voir s'il va réussir à porter une arme sans... Déjà, pour rentrer dans la police nationale, en tout cas à l'époque, tout antécédent psychiatrique est éliminatoire. D'accord, ok. Ouais, donc à partir de ce moment-là. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ce petit travail de vérification qui consiste à vérifier, tiens, de qui s'agit-il ? Quelle école il a fréquenté ? Quel est son parcours ? Est-ce qu'il est engagé politiquement ? Est-ce qu'il a exercé une profession qui est incompatible avec le métier de policier ou son épouse, ou etc. Et c'était fait en amont. Donc, ce qui fait qu'au moment où on passait l'oral pour ensuite être admis ou non et intégrer une école de police, il y avait un filtre qui était mis en place. Ouais. Et ça n'existe plus ? Il n'existe plus. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui... bon, et puis, on va parler du niveau de recrutement, mais c'est deux choses encore différentes. Mais pour dire que c'est un métier qui attire tellement peu, je dirais, les vocations, enfin, il y a quand même... Oui. Je dis ça. Il faut imaginer qu'à quoi, à chaque concours, à peu près 20 000 candidats pour 2 000 postes. C'est énorme, hein, 2 000 postes. Hein. Ils sont en train de recruter à tour de bras. Mais ils n'ont pas de niveau. C'est-à-dire que au niveau de simplement du français, au niveau de la langue, finalement, c'est un peu comme ils dans sont obligés les de baisser la barre à 8 sur 20. Quoi. 8 sur 20. Terrible. Il y a des postes qui sont non pourvus. Quoi. Ouais. Donc, par conséquent, ça démontre une chose, c'est que le jeune diplômé ne va pas être attiré par ce genre de métier. Quoi. Il fera tout sauf ce genre de boulot. Et puis, bon, vu ce qui se passe actuellement, les échos fermés, pourquoi aller se fourrer dans ce guépier, quoi, au final. Voilà. Mais finalement, une question que vous poserez un contradicteur, je ne sais pas si vous pouvez y répondre vraiment comme vous voulez, mais l'aboutissement de cette réflexion, c'est quoi ? C'est finalement se dire, est-ce qu'il faut interdire, dans un régime parfait, est-ce qu'il faut interdire l'islam ? Il faut interdire un policier d'être musulman ? Vous voyez ce que je veux dire ? Comment on fait, en fait pour, Voilà, toute la difficulté, elle est là. Ouais. C'est, où est-ce qu'on place le curseur ? Bah oui. Est-ce que le fait d'être musulman interdit d'être fonctionnaire ? La réponse est non. Le simple fait d'être musulman, non. D'autant qu'il y a des musulmans qui ne sont pas pratiquants, d'autres qui sont pratiquants mais qui ne présentent aucun danger parce que leur pratique de l'islam n'est vraiment pas dangereuse. Mais d'autres, et ça on refuse de le voir, et puis c'est là, quand on ne dit pas d'amalgame, on fait l'amalgame. Parce que justement, en feignant de voir que les islamistes ont tout à voir avec l'islam, eh bien, on nous cache une certaine vérité et donc on s'interdit de prendre le mal à la racine. Un exemple. Je regardais l'émission de Cyril Hanouna, grande référence, s'il en est, hier,
et qui s'appelle Balance ton poste, mm-hmm. et qui était justement en partie consacré à la radicalisation, à l'attentat qui venait de se produire, etc. Donc parmi les invités, il y a un certain chroniqueur habituel qui s'appelle Karim Zeribi. Oui. Et Karim Zeribi, en donneur de leçons, c'est l'imam audiovisuel en fait. Hein. Lui, il arrive, non, l'islam, c'est pas ça. Et là, oui. Il nous fait un cours. Il a remplacé Chalboumi. Il nous fait un cours d'islam. Il dit les terroristes, ouais. Donc il inclut Michael Harpon, mm-hmm. n'ont pas lu le Coran. En fait, précisément, il dit est-ce qu'il a seulement lu le Coran une fois dans sa vie ? Mm-hmm. S'il avait lu le Coran, il saurait que la sourate 5, mm-hmm. verset 32, dit « Celui qui tue un homme, tue toute l'humanité. » Oui. Mais j'ai envie de dire voilà, que les spectateurs vérifient. Sourate 5, verset 32. Mm-hmm. Et ils verront que non seulement ça ne s'adresse pas aux musulmans, mais en plus, ce n'est pas du tout ce qui est dit. D'accord. C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël, donc pas aux musulmans, aux enfants d'Israël, que celui qui tuera un homme... C'est comme si un homme qui n'a pas commis de meurtre, oui. ou qui n'a pas semé la corruption sur la terre, alors là, vaste sujet. Ah bah oui, bah là, c'est très subjectif. Il y a des exceptions, déjà. Ouais, hein. ouais. Déjà, on n'est plus tout à fait dans ce que dit Karim Zeribi. Oui, ouais, tout à fait. Et pourtant, c'est mot pour mot le fameux verset ouais. de ouais, la sourate ouais. 5. Et là, c'est la 32, là. Mm-hmm. Mais j'invite à regarder la 33 et la 34, c'est carrément les appels au meurtre. D'accord. Donc j'ai envie de dire, celui qui dit « il n'a pas lu le Coran, regardez ce que dit le Coran », celui qui regarde C8, il se dit « Ah bah oui, il a raison, c'est une ouais, religion c'est, de paix, de tolérance et d'amour. » Le spectateur ne va pas faire l'effort de regarder Les évidemment, et puis tout le monde ne va pas lire le Coran. Mais bien sûr. Contradicteur qui pourrait dire « Monsieur, vous dites des bêtises », il n'est pas invité. Il a peur que celui qui l'a lu, comme moi par exemple, ouais, ouais. Eh bien, je suis à même de pouvoir comprendre ouais, qu'il est en train de nous rouler dans la farine. Ouais. Et donc, toute la question qui se pose, c'est est-ce que c'est par ignorance ? Est-ce que lui-même ne l'a pas lu ? Ou est-ce qu'il l'a lu ? Il sait très bien ce qu'il fait et que c'est un élément de propagande qui vise à faire croire à l'opinion. Non, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de danger avec l'islam. Oui. C'est de la dissimulation. Oui. Donc, n'ayez crainte. Et pendant ce temps-là, on travaille, on avance. Oui. On besogne. C'est-à-dire qu'on implante dans la tête des gens, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Donc les gens ne prennent pas le mal à la racine parce qu'ils se disent, le problème, ça n'est pas l'islam. Donc puisque ce n'est pas l'islam, ce n'est pas un sujet, je ne peux pas vous laisser parler ou je ne sais pas quoi, boum, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas l'islam. Okay. Oui. Alors c'est quoi ? C'est la radicalisation. Ah oui, d'accord, ce n'est pas l'islam, c'est des islamistes. Mais quand on écoute ceux qui connaissent, qui maîtrisent le sujet beaucoup plus que moi d'ailleurs. Mais la frontière, elle est poreuse en fait. Bah, c'est même pire que ça, il n'y en a pas. Mm. C'est-à-dire que c'est une question de degré. Ouais. L'islam, c'est l'islamisme au repos, et l'islamisme, c'est l'islam en action, diront certains. Oui. Je ne me souviens plus quel auteur a dit ça, mais quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Oui. Et il y a aussi, je dirais, cette interdiction de pouvoir aller plus loin dans la critique de l'islam, non seulement par le procès en islamophobie, mais aussi parce que dès qu'on commence à appuyer là où ça fait mal, où on parle... Mais regardez, lisez, c'est marqué, c'est la parole de Dieu, paraît-il. Donc en plus, on ne peut pas réformer, on ne peut pas discuter sur ces sujets. Eh bien voilà, mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous êtes un théologien ? Fin de l'histoire. Ouais. Donc on peut pas en parler, c'est pas un sujet. Alors j'aimerais comprendre comment on va donner pour instruction à la hiérarchie policière... Oui. de se débarrasser des cas de radicalisation. Bah oui, c'est ça. Dès l'instant que la radicalisation, elle est dans le livre saint. Tout à fait. On ferait comment ? Ouais. Oui. Puis alors, ce qui est terrible, c'est qu'on est poussé évidemment par les médias, par les gouvernants même, à ne surtout pas faire l'amalgame entre musulmans et islamistes, alors que constamment, de l'autre côté de l'échiquier politique, on invite Zemmour, on va le dire, Monsieur Zemmour, entre Tarente et vous, il n'y a rien. Justement. C'est terrible. Zemmour a été condamné pour avoir dit qu'il faudrait que les musulmans fassent le choix entre l'islam et la France. Oui. Ça signifie qu'il explique qu'il y a une incompatibilité intrinsèque à l'islam entre nos deux mondes et qu'il faut qu'ils fassent le choix. C'est ça. Ouais. Ce faisant, il a été condamné. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Alors que c'est ça le sujet. Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est quoi un individu radicalisé ? C'est celui qui fait passer les lois de l'islam avant celle de la République. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il a fait un choix avant d'entrer dans l'administration, en tant que musulman, identifié comme tel, il dit « je choisis d'abord les lois de la République », s'y engage par écrit, par exemple, ça ne garantit absolument rien, mais c'est déjà un contrat moral qui passe avec l'administration au moment où il s'engage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et sur lequel on peut ensuite s'appuyer pour le révoquer, bien sûr. Si jamais... il a un comportement
qui n'est pas laïque. Oui, en fait, il faut bien vous comprendre, ça paraît très technique, mais s'il n'y a pas la base légale pour intervenir, en fait, on laisse les choses comme ça grandir, en fait. On laisse pourrir. Ouais. On ferme les yeux et quand il y a un incident, on dit « Ah ben non, c'est une exception, on va faire une réévaluation, ouais. On va régler le problème. » En fait, on ne le règle pas. Parce que le problème, il est extérieur. Il n'est pas propre à la police nationale. D'abord, on a des cas dans la gendarmerie, il y en a une vingtaine, ouais. De radicalisés, enfin, pas seulement pour islam radical, aussi ouais. des gens dits d'extrême droite, enfin bon. Mais le directeur... Comment vous savez, ce chiffre, il est sorti quelque part ? Ce chiffre, il est sorti, oui, hier au Sénat. Ah, d'accord. En fait, okay. Le directeur général de la gendarmerie nationale a reconnu qu'il y avait actuellement 20 gendarmes mm-hmm. qui étaient donc surveillés pour leur radicalisation, en précisant que dans ces 20 gendarmes, il y en avait qui étaient suivis pour radicalisation islamiste et d'autres pour leur appartenance à l'extrême droite, sans d'accord. expliquer laquelle, oui. et en disant que c'était un suivi spécifique. Oui, mais d'accord. Donc voilà, parmi les 20, sans donner la proportion, on connaît pas la proportion, voilà, il n'y a pas que des islamistes. Mais quoi ouais. qu'il en soit, il y a des gens qui sont surveillés pour ce genre de motif. Et moi, la question que je... Donc ça prouve que même dans la gendarmerie nationale, mm-hmm. le simple fait de présenter des signes de radicalisation ne suffit pas pour exclure pas disqualifiant. Le militaire. Voilà. D'accord, il faut ouais. trouver d'autres motifs que pour l'instant on n'a pas, d'où l'intérêt effectivement de permettre, et à mon avis ça passe par la loi, ouais. aux différentes administrations, parce qu'il n'y a pas que la police, il n'y a pas que la gendarmerie, il y a l'armée, il y a les entreprises aussi, même ouais, le ouais. secteur privé est concerné, toute la société est concernée. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est que le nommé Michael Harpon, oui. il ne s'est pas radicalisé à la préfecture de police. Bien sûr. Il s'est radicalisé à l'extérieur. Donc il faut regarder ce qui se passe dans l'environnement de ces individus qui en arrivent à faire ce choix d'assassiner des gens oui. en pensant le faire au nom de, enfin, qu'ils le font au nom de leur idéologie. Ils le font clairement au nom de leur idéologie. Et ceux qui prétendent le contraire sont des bonimenteurs. Ils le font clairement au nom de leur idéologie. Et il y a parmi la population... musulmane, oui. et je pèse mes mots, il y a parmi la population musulmane en France des individus pour qui Michael Harpon est un héros. Oui. Et cela s'est traduit par des tags qui ont été dénoncés. Cela s'est traduit aussi, alors, il y a eu des appels qui ont été reçus dans les commissariats de police en Ile-de-France. Au début qu'on n'avait pas clairement identifié comme étant un message de propagande islamiste, mais qui disait clairement c'était un appel à commettre des attentats, à commettre des meurtres. D'accord. Et après vérification, donc c'est une des vidéos de propagande de Daesh qui avait été diffusée en 2016. D'accord. Elle a été diffusée au standard téléphonique de plusieurs commissariats d'Île-de-France. D'accord. Alors, deux choses l'une. Soit on a affaire à des, intimidations. À des racailles. Ouais. Sur place qui font un petit peu comme avec Mohamed Merah en 2012, oui. hein, où il était un héros de l'islam, c'est vrai, dans ouais. ses quartiers, eh bien, considèrent que c'est la même chose pour Michael Harpon, et donc ils le font savoir en balançant ce message à la police, ouais. hein, genre on n'a pas fini, on continuera, etc., on est déterminé. Soit c'est un message, mais ça on ne l'a pas déterminé encore, qui vient directement de cellules actives, de l'État islamique, d'accord. qui n'a pas été éradiqué comme on veut le prétendre. Hein. Mm-hmm. C'est facile de dire on a vaincu Daesh. Ouais. Comment expliquer les choses ? À l'époque, moi, quand je suis rentré dans la police nationale en tant que policier auxiliaire en 1994, on était en pleine vague terroriste, déjà, à l'époque. C'était le GIA qui frappait la France, le groupe islamique armé. Oui. Et notamment, les membres les plus actifs étaient en Algérie. Oui, oui. Ce GIA, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est devenu ACMI, puis Daesh, par la décapitation d'Hervé Gordel. Donc, les attentats de Paris en 1995, je crois, c'était donc, déjà ça. Vous voyez ça. Que les acronymes ouais, changent. Ouais. GIA, ACMI, Daesh. Mais l'idéologie, c'est la même. Oui, oui, bien sûr. Bien et sûr. Donc, après Daesh, il y aura autre chose. Et puis, encore autre chose. Et encore autre chose. Donc, on nous focalise sur un acronyme bien en sûr, disant ouais. c'est l'ennemi. Mais en fait, on ne voit pas qu'il y a c'est l'idéologie ça, ouais. constante. Qui est derrière tout ou ça. Ou alors, on va se féliciter de la perte d'un territoire, on va dire, bon, bah, Daesh a reculé dans ce pays-là, ouais, donc ouais. on a gagné, alors que l'idéologie, ouais, elle n'est jamais aussi forte que quand ces mecs sont reculés, en alors, fait. Alors qu'elle est prônée dans la mosquée du quartier, ouais, et tout le monde ça. Ferme les yeux, quoi. C'est ça. Voilà. C'est un petit peu alors, sur la tête. Avant qu'on fasse une petite pause, j'ai oublié quand même quelque chose de fondamental. Attention au fondamentalisme. Hein. Ah oui, il faudra changer de mot. D'important, quelque chose d'important. Vous êtes déjà fiché, je crois. Hein. Mais là, ça il va être semble, FSPRT. Ouais. Là. Ouais, ouais, là, ça va être le justement, je vous supérieur. Pose la question quand vous m'avez invité, excusez-moi de vous oui, interrompre. Non, non, mais, oui, je l'ai dit en aparté, mais
je me posais la question de savoir à qui ça va nuire, en fait. Est-ce que ma c'est présence vrai. Va nuire à votre image, ou est-ce que c'est vous qui, en m'ayant invité, allez nuire à mon image ? Non, je pense que c'est plutôt l'inverse, parce qu'on peut difficilement plus me diaboliser actuellement. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, on s'en fiche. On fait les émissions qu'on veut, de toute façon. On verra bien les conséquences. D'expression, hein, ouais. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les sujets. Bien mais, sûr, bien sûr. Voilà. Bah oui, non, mais ça, c'est toujours moi, pareil. J'ai pour principe de refuser aucune invitation. J'ai d'ailleurs accepté celle de Cyril Hanouna. Oui, oui, oui. Et je me suis retrouvé dans une espèce de... Je vais pas dire de guépier, parce que ce serait un peu excessif. Mais celui qui a préparé l'émission m'avait fait une interview au préalable pour préparer les fiches de Cyril Hanouna, et on m'a posé tout sauf les questions qui m'avaient été posées au bien préalable, sûr. Parce que manifestement, elle ne plaisait pas. Quoi. Oui, je connais donc, ça. Il était question déjà de savoir faut-il ou non expulser les fichiers S. Donc, sous-entendu, les fichiers FSPRT. Oui, oui, oui. Donc, voilà, c'était ça, soi-disant ouais. le sujet. La seule question qui m'a été posée, c'est « Alors, comme ça, vous étiez policier et vous étiez fichiers S ?» Ouais. Ouais. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Déjà, ouais, c'est pas FSPRT. Hein. Ouais, j'ai jamais été. Oui, puis le raccourci empêche de penser. Voilà, le, c'est un peu ça. Le spectateur qui vous connaît pas dit tout de suite. Comme la fiche S qui va mettre. Déjà, je voudrais dire à mes collègues des services de renseignement. Moi, je vous en veux pas. Hein. Vous faites votre travail, ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a un moment où, il faut peut-être se poser des questions. Quoi. Comment ça se fait? Qu'on est passé de la surveillance tout à fait logique, des propos qui peuvent se tenir dans des réunions publiques, dans des réunions politiques, organisées soit par les partis ou en marge des partis. Ça, c'est tout à fait normal qu'on fasse du renseignement et qu'on fasse remonter l'information. Moi, je trouve que même dans une démocratie, il faut que l'exécutif soit au courant de ce qui se passe dans son pays, ne serait-ce que pour identifier une éventuelle menace. Ce serait peut-être bien de faire la même chose dans les mosquées, d'ailleurs. Enfin, on est censé le faire, mais je ne vais pas donner d'informations à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il y a une différence entre surveiller et ficher une personne. Une personne qui fait l'objet d'une fiche S, c'est une instruction permanente donnée à tous les services de police, de gendarmerie ou les douanes de recueillir toute information utile, avec qui on voyage, quel véhicule on utilise, les objets qu'on transporte, la direction qu'on prend, etc. Et de faire remonter cette information à un service qui va ensuite dispatcher auprès de ceux qui ont émis la fiche. Oui, oui. Mais à la tête, c'est le ministère de l'Intérieur. Mmh. C'est une surveillance administrative, ça n'a rien de judiciaire. Oui, oui. C'est administratif. Et officiellement, il y a un recours possible qu'on peut exercer devant le Conseil d'État. Je le sais parce que je l'ai fait, insisté par maître Frédéric Pichon, et j'ai fait annuler ma fiche S. D'accord. Qui avait été décidée en 2015... C'est fou quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Au moment où l'autre était habilité secret défense, moi on me fichait S. Quoi. Ouais. C'était Cazeneuve qui était à la manœuvre. Hein. Clairement, Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, qui a décidé de me ficher S parce que j'avais dénoncé Al-Baghdadi sur Facebook. Hein. Juste ça. Hein. Ouais. Donc par conséquent, je l'ai su. Je ne suis pas censé le savoir. Ouais. Mais je l'ai su parce que dans mes réseaux, il y a des personnes qui étaient à même de m'en informer sans prendre de risque. Mmh. Et quand j'ai présenté la copie de la fiche S, au Conseil d'État, la première question qui m'a été posée, c'est comment vous l'avez su ? Oui. Donc cette procédure qui permet de faire un recours, en fait, elle est viciée, parce que non seulement on n'est pas censé le savoir, mais en plus, si vous passez, parce qu'il y a une procédure, il faut passer par la CNIL avant d'aller devant le Conseil d'État. Or, la CNIL fait une demande au service pour vérifier l'existence de la fiche. Oui. Mais comme c'est classifié, on répond à la CNIL, on ne peut pas vous répondre. On ne peut pas le dire. Ouais. Et donc la CNIL revient vers le requérant, en disant, on ne peut pas savoir. Mmh. Et ce qui paraît normal, d'ailleurs, parce que quand on surveille quelqu'un, en théorie, logique. Ouais. C'est pas pour le mettre au courant. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Sans quoi, il prendra des précautions, il fera en sorte que les renseignements qu'on veut obtenir sur lui, on ne les obtienne pas. Bien sûr, bien sûr. Mais là où je veux en venir, on a franchi un cap dans la surveillance de certains réseaux, qu'on va qualifier d'ultra-droite, entre guillemets, de par l'existence de ces fiches S qui permettent de glaner des renseignements qui ne font pas forcément l'objet d'une surveillance sur le terrain. Hein. Vous pouvez être fiché S sans que quelqu'un vous suive dans la rue au quotidien, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est juste, Mais simplement, en glanant ces informations sur vos voyages, vos déplacements, les personnes, il suffit que les renseignements soient, suffisamment étayé pour laisser entendre que peut-être il y aura un risque de passage à une action violente. D'accord. Pour que la justice, par le biais d'un procureur de la République, soit informée et qu'il décide d'ouvrir une information judiciaire auprès d'un juge d'instruction. D'accord. Pour, par exemple, association de malfaiteurs à visée terroriste. Mmh. Procédure criminelle. Oui.
qui fait qu'à partir de ce moment-là, principe de précaution, vu que c'est une infraction qui n'a pas encore été commise, mais qui est censée reposer sur des actes préparatoires, qui peuvent être des réunions, des propos tenus, la volonté d'acquérir une arme, par exemple, alors qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'armer pour se défendre parce qu'ils éprouvent un sentiment d'insécurité qu'on peut comprendre. Bien sûr. Et donc, par conséquent, ça peut suffire à ce que une vague d'interpellation soit faite dans un prétendu milieu de l'ultra-droite. On va présenter comme ça la menace terroriste de l'ultra-droite, mais avec des projets aux contours mal définis. Et pour cause. Parce qu'il n'y a rien. Ça repose sur rien. Ouais. Ou alors sur une présomption de machin. Alors, cette possibilité juridique d'interpeller les gens très en amont, c'est une bonne chose. Parce que ça peut permettre de neutraliser des terroristes bien avant qu'ils ne passent à l'acte et ça sauve des vies. Oui. Mais quand il s'agit d'individus dont on nous a dit, pour certains d'entre eux, je dis ce que j'ai lu dans la presse, qu'ils envisageaient peut-être de confectionner des armes, enfin des explosifs, pour faire exploser devant une mosquée, très mauvaise idée, hein, entre nous soit dit, ou de s'en prendre violemment avec une arme à feu, par exemple, à des musulmans au hasard dans la rue, très mauvaise idée aussi, on est bien d'accord. Moi, je ne légitime pas la violence, même si je peux comprendre que les gens en arrivent à avoir ce genre d'idées extrêmes, du fait qu'ils ne sont pas protégés, d'une menace bien réelle, qu'on refuse de nommer. Mais je suis pour la violence légitime. J'entends par là, quand on va sauter à 6h du matin, ou en pleine nuit, en fonction des affaires, des djihadistes qui s'apprêtent à se faire sauter au milieu d'une foule, c'est nécessaire. Et qu'on leur met la gueule par terre, et qu'on leur met les menottes et le pied sur la gueule, c'est de la violence. C'est de la violence légitime. Oui, oui, parce qu'il est bon aussi de rappeler aux spectateurs qu'il y a quand même des, il y a quand même une police qui fait son travail. Oui, il y a quand même parfois des djihadistes qui sont sur le point de passer à l'action, qui sont arrêtés. Et je dirais que toutes les affaires qui sont démantelées, et pour des raisons qu'on peut comprendre, ne sont pas forcément révélées à l'opinion. Bien sûr, oui. Donc, moi, je jette absolument pas la pierre à mes collègues de la DGSI, à tous ceux qui, d'un point de vue général, sont mobilisés en permanence sur la lutte contre la menace terroriste. Oui. Je jette la pierre à ceux qui leur donnent des instructions, c'est-à-dire essentiellement les politiques qui veulent orienter, qui ont besoin par exemple d'une affaire de terrorisme de l'ultra-droite à point nommé parce qu'il y a un calendrier électoral qui fait que c'est bien de brandir la menace et de planter dans l'opinion l'idée selon laquelle elle est prise en étau entre une mouvance de l'ultra-droite prête à commettre des attentats avec le pays à feu et à sang et de l'autre côté les vilains islamistes avec des barbes longues comme le bras et qui sont en train de venir aussi. La peur est une arme puissante. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'une fois qu'on a terroriser le citoyen lambda, eh bien, on n'a plus qu'à dire « Mais rassurez-vous, je suis la solution. C'est-à-dire que grâce à je vais vous protéger. » Et donc, c'est vraiment très puissant, électoralement parlant, je veux dire. Alors que pour l'instant, parce que pour le reste, la peur n'évite pas le danger. C'est pour l'instant, c'est un peu gros. Quand c'est l'ultra-droite qui se fait choper, c'est on les a arrêtés parce qu'ils allaient peut-être faire quelque chose. Et c'est là qu'on en est en France. Puis bon, quand on gratte un petit peu, quand on regarde le profil des auteurs, des pères de famille sans histoire, des gens qui n'ont jamais eu d'antécédents judiciaires, qui habitent à des centaines de kilomètres les uns des autres, ce qui est un petit peu bizarre. Si on veut créer une cellule qui veut taper, comme on dit, en général, on fait appel à des gens qui sont structurés, qui se connaissent, ou voilà. Non, il n'y a rien qui colle, en fait. D'accord. Je suis désolé de le dire, mais il n'y a rien qui colle. Et puis, juste après la nomination de Laurent Nunez, ancien chef de la DGSI, pour information, en tant que secrétaire d'État auprès de Castaner, parce qu'on a une hiérarchie bicéphale, en fait, au ministère de l'Intérieur. Il y a Rentenplan, pardon, Castaner. Et son binôme, qui est Laurent Nunez, et qui est chargé de veiller à ce qu'il ne fasse pas trop de conneries. D'accord. On a vu que ce n'était pas trop efficace. Et on a surtout vu que c'était pitoyable, notamment lors de leur audition devant le Sénat. Ouais. Je crois que c'était devant M. Bas, le sénateur Bas, hier. Où, en fait, des questions précises leur étaient posées sur les dysfonctionnements éventuels par rapport à la détection du nommé Michael Harpon, et où on les voit gênés. Ah oui, on va vous donner les informations. Ah ben non, on ne peut pas, c'est secret défense. Ah ben oui, mais alors dans ce cas-là, on va les donner à la commission, mais pas à monsieur. Ah oui, mais alors non, on va faire... On a vraiment l'impression que c'est un sketch, quoi. Ouais. Mais sauf que c'est pas drôle. Oui. Parce que quand on réfléchit bien, c'est eux qui sont en charge de notre sécurité. Bien sûr. Et là, ça pose un sérieux problème, quoi. Donc déjà, s'il y avait des personnes compétentes, je ne dis même pas déterminées, juste compétentes, qui étaient désignées à ces postes-là,
Bah peut-être qu'on n'aurait pas autant de loupés, entre guillemets. Quoi. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est des loupés, bien entendu. Mmh. Hein. C'est un loupé depuis 2014. On ne pouvait pas savoir pour Michael Harpon qu'il fallait refaire une évaluation. On ne pouvait pas savoir. Non, c'est juste prévu par les règlements, mais on ne pouvait pas savoir. Ouais. Donc ça, ça s'appelle un loupé, c'est clair. Voilà. Ouais. Sans parler du reste, hein, parce que c'est juste hallucinant ce qu'on a appris sur cette affaire. Mmh. Voilà. En interne, on a eu l'information. Enfin, quand je dis en interne, moi, je ne suis plus dans la police, mais je veux dire, j'ai encore des antennes. Quoi. D'accord, c'est évident. Oui, bien sûr. Après 20 ans passés dans l'administration, évidemment. Et des soutiens, d'ailleurs. Et donc, par conséquent, on était tous au courant que c'était un attentat islamique au moment où Castaner a pris la parole pour dire qu'il y avait... voilà. Et que toute la journée, des délégués syndicaux nous ont bassinés à occuper la presse immédiate, comme, enfin, la presse permanente, je ne sais même pas comment appeler ça, les chaînes d'information continue. BFM TV et toutes ces conneries. Voilà, non, il est trop tôt, on ne sait pas, c'est peut-être un différend interne, toutes les pistes sont mon cul. Quel on cirque. Était tous au courant. La première chose qu'ont fait les fonctionnaires qui ont signalé, imaginez, mettez-vous à leur place, ils l'ont signalé en 2015. On leur dit, non, circuler, rien à voir. Ouais. La première réaction, quand ils ont su que c'était lui... Bah, tout de suite, ils ont dit... Immédiatement, ils l'ont dit. Donc, l'information, elle remonte. Ouais, ouais. Si quelqu'un veut faire croire à l'opinion que l'information ne remonte pas dans la police nationale, c'est un menteur. Bien sûr. Tout se sait, quoi. Et celui qui ne transmet pas l'information, c'est un motif de sanction. Donc, de toute façon, Castaner était au courant. Il était au courant au moment où il a pris la parole. Après, mais on ne m'a pas dit, en tout cas, de ce que j'ai vu dans son dossier... Quel est l'intérêt de gagner du temps, de gagner une journée ou deux ? C'est énorme ce qu'il a dit, quand même. Oui. Au vu de ce que j'ai vu dans son dossier administratif, il n'était pas radicalisé. Mais évidemment. Oui. Non, mais c'est, imaginez un fonctionnaire du renseignement habilité secret défense dans son dossier à propos, c'est un islamiste. Oui, oui, bien sûr. Non, mais soyons sérieux. Non, quoi. Mais c'est assez idiot. Là, on a atteint un degré de foutage de gueule qui fait que non, ça va plus. Quoi. Mais pourquoi gagner un ou deux jours comme ça ? À quoi ça leur sert de faire attendre les gens pour finalement dire deux jours après, bon, bah ok, il était mais radicalisé. Imaginons que dans l'intervalle, on tombe sur je sais pas moi, un médecin psychiatre qui dit bah, je le suivais, il était en crise. Ah, bah voilà, c'est un déséquilibré. Fin de l'histoire. Là. Toujours les mêmes codes. Le temps, c'est important parce que ça peut permettre justement de, de construire un narratif. Ouais. La première chose, quand on est au courant, c'est de ne pas le dire. Ouais. Et puis en même temps, il y a l'effet de panique qu'on veut sait. Et puis bon, c'est tellement énorme cette affaire. C'est tellement énorme que les gens, je pense qu'encore maintenant, il y a des gens qui n'ont pas pris conscience de la gravité. C'est d'une gravité extrême. L'ensemble des informations classifiées au sein de la DRPP. Auxquelles a eu accès Michael Harpon sont compromises. Ça peut concerner des services de renseignement étrangers, ça peut concerner des fonctionnaires de police qui sont infiltrés actuellement et dont la vie est en danger. Ça peut concerner tout simplement l'adresse de fonctionnaire de police de la préfecture de police qui a pu être divulguée, qu'on a retrouvée sur une clé USB dans son bureau, mais en disant « Ah oui, mais il faut encore faire une enquête pour savoir s'il les a divulguées. » Mais le principe de précaution d'un point de vue élémentaire, qu'on parte du principe qu'il les a divulguées et qu'on ne cherche pas la preuve qu'il les a divulguées pour dire aux fonctionnaires « Ah non, mais rassurez-vous, on n'est pas sûr. » Ça vous rassurait, vous, vous saviez que votre adresse figure dans un fichier détenu par quelqu'un qui a tué 4 fonctionnaires de police et blessé grièvement un autre, et qu'on vous dise, simplement pour vous rassurer, « Mais on n'a pas la preuve qu'il l'a transmise, rassurez-vous, tout va bien ?» Mettez-vous à la place des fonctionnaires qui ont une famille, qui ont des enfants, et qui n'arrivent plus à fermer l'œil de la nuit, parce qu'ils ne savent pas s'il ne va pas y avoir le même coup qu'a fait la Rossi à Abala, c'est-à-dire un individu sorti de nulle part ou fiché S, comme c'est souvent le cas, qui va venir les égorger à domicile en filmant tout ça sur Facebook en disant « à la Wakbar ». C'est ça la réalité. Ça et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on nous balade et que sous couvert de ne pas vouloir créer, entre guillemets, la psychose, je ne croyais plus jamais entendre ce genre de terme de ma vie, ça a été ressorti là par certains syndicalistes, la psychose, éviter la psychose. La psychose, c'est un trouble psychiatrique grave, c'est de la folie. Les gens ne sont pas fous, ils sont capables d'être informés, de réagir. S'ils paniquent, c'est peut-être qu'ils ont des raisons de paniquer. Et je préfère que les gens soient informés et qu'à la rigueur, ça crée un sentiment de liesse, mais peut-être même qu'il y a jusqu'à renverser cette bande de baltringues qui est en train de les mettre en danger et de les envoyer à l'abattoir. Je préfère ça, ce serait beaucoup plus. Hein, oui, bien sûr. Plutôt qu'on dise, oh là là, pas la panique, parce que le troupeau, si jamais il s'aperçoit qu'il va à l'abattoir, ce serait dangereux. C'est dangereux vraiment pour ça, qui Ce serait dangereux pour ceux qui sont aux commandes. Bien sûr. En attendant, il y a des gens qui meurent. Et parmi ces gens, il y a mes collègues. Et ça, c'est juste révoltant. Et il ne faut pas que, comment dire, la hiérarchie policière et les autorités minimise la colère qui gronde en interne dans la police nationale, parce que là, ce ne sera pas comme en 2016. Là. Ça va aller beaucoup plus loin. Ouais. Donc, évidemment, les policiers peuvent être en danger avec les informations qu'a pu faire circuler
Michael Harpon, mais ce à quoi j'ai pensé, moi, c'est les militants anti-islam, les militants identitaires. Est-ce qu'en fait, il a pu... Les fachos. Oui, les fachos. Il a pu avoir l'adresse des fachos et Silly, les faire tourner. Silly facho. Oui et non. Alors, ouais. Oui, effectivement, potentiellement. De toute façon, jamais les informations, et on le voit bien dans le cadre des enquêtes parlementaires, jamais les informations classées secret défense... Oui. Ne seront révélés. Sinon, je veux dire, c'est faire fuiter des informations qui oui. sont gardées secrètes dans l'intérêt de la nation. Mm. Bon. Par conséquent, vous ne le saurez pas. Mm. Quelles sont les informations Bien sûr. Qui sont susceptibles d'avoir oui, été oui. divulguées. Mais potentiellement, c'est possible. Je veux dire que, par exemple, il a pu avoir accès aux fichiers d'extrême droite. Il suffit de savoir quelles sont les missions des RGPP, mmh. des renseignements généraux de la préfecture de police. C'est un problème à Paris, c'est un peu particulier. Oui. C'est un problème de compétence territoriale par rapport à la DGSI. D'accord. Mais ils ont les mêmes prérogatives. C'est-à-dire qu'à Paris intramuros, il faut bien comprendre que la DRPP, ce n'est pas un petit service local de renseignement. Mmh. C'est l'équivalent de la DGSI. D'accord. À Paris intramuros, c'est compétence DRPP. Ça veut dire que tout ce qui concerne la sécurité, les menaces terroristes... tout type d'informations, mais également celles qui nous sont demandées par des services dans le cadre des coopérations étrangères. Ouais. Par l'Angleterre, par l'Allemagne, que sais-je encore, peut-être même par des pays comme l'Algérie ou autres. Ils font des demandes de renseignements, par exemple. On s'échange les informations. Mmh. Et heureusement qu'il y a cet échange entre pays, parce que c'est comme ça qu'on arrive à démanteler des cellules terroristes, mmh. qui ne sont pas focalisées d'un point de vue local. C'est des réseaux internationaux. Donc on a besoin de cette coopération. Imaginez que ces services-là apprennent que toutes les informations sont compromises. C'est leurs agents à eux qui sont en danger. Bien sûr. Est-ce que ça va les mettre en confiance pour pouvoir divulguer les informations qu'ils ont, mmh. alors que ça peut tomber entre les mains de l'ennemi ? Ouais, ouais. Vous voyez la gravité du problème ? Ouais, non, donc c'est... au-delà des simples fiches S de celui qui a menacé de lâcher un bout de lardon à moins de 20 mètres d'une mosquée, ouais. Là, je suis en train de parler de choses un peu plus sérieuses. Quoi. Mmh, bien sûr. C'est pas que je veux balayer d'un revers de la main. Et au-delà de ça... tous ceux qui sont effectivement susceptibles d'être qualifiés d'islamophobes, mm-hmm. entre guillemets, sont des cibles. Mm-hmm. J'en veux pour preuve le fait que Zineb El Razoui vit sous protection policière permanente. Ouais. Protection policière, je rappelle un peu ce que c'est, hein, c'est pas un véhicule qui tourne autour de chez vous, hein, c'est ouais. des agents de sécurité que vous avez en permanence. Vous pouvez ouais. pas aller faire des courses, vous pouvez pas vous déplacer librement, etc., sans vos agents de surveillance. Ah, c'est une protection rapprochée permanente. Ouais, c'est une parce qu'elle est clairement menacée de mort et que cette menace a été authentifiée comme étant sérieuse. C'est être en prison dehors, en fait. Vous sortez, c'est mais ça. Vous êtes... C'est vivre en prison, tout ça, parce qu'elle mène une lutte qui devrait inspirer un certain nombre d'entre nous aussi en termes de courage, mm-hmm. Qui vise à dénoncer la bête, quoi. Voilà. Mm-hmm. L'hydre, pour le coup, elle la dénonce. Elle n'attend pas qu'Emmanuel Macron fasse un beau discours sur le cercueil de nos collègues. Mm-hmm. Elle va au charbon. Mm-hmm. Donc ces gens-là, oui, ils sont menacés. Le problème, c'est que ceux qui le font n'ont pas tous une protection policière. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que s'ils sont dans la casse facho, Zineb El Razoui, elle n'est pas dans la casse facho. Ouais. Mais ceux qui sont dans la casse facho et qui font la même chose, soit qui relayent son discours ou qui, avant elle, ont commencé à le dire aussi, mm-hmm. eh bien, ils sont menacés, évidemment. Mais sans rentrer dans les détails, je pense que... c'est plus à ceux qui voudraient s'en prendre à ces gens-là de s'inquiéter que l'inverse. Mmh. Parce que là, on n'est pas dans le cadre de personnalités qui hésiteront à se défendre et qui pourraient même aller au-delà de la simple légitime défense. Bien donc, sûr. Ce serait une grave erreur. Mmh. Non, c'est sûr. Je pense qu'ils le savent aussi. Quoi. Bon, on va faire une petite pause pour faire descendre la tension. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cet événement de manière à apporter mon témoignage. Comme il a été dit, je suis fonctionnaire de police. Ce qui signifie qu'en parlant devant vous, je commets un acte de résistance, car je suis astreint à une obligation de réserve. Par conséquent, cet acte de résistance, je voudrais le dédier à mes collègues, et c'est en leur nom que je vais prendre la parole, à ceux qui ne l'ont pas, et qui sont aujourd'hui meurtris. Meurtris non seulement par le drame qui s'est déroulé le 13 au soir et qui a touché deux d'entre nous dans ce qu'ils avaient de plus précieux, de plus sacré, de plus intime, leur domicile familial. Mais aussi meurtris parce que cela fait longtemps qu'ils sont sur tous les fronts, sur le front de l'immigration clandestine à Calais,
sur le front des violences urbaines qui sont mal gérées par notre exécutif, qui ne donne pas les ordres nécessaires pour que nous puissions interpeller celles et ceux que nous avons parfaitement identifiés. Sur tous les fronts, car enfin, comme cela a été très bien précisé, nous sommes en sous-effectif et depuis longtemps. Je rappelle que pendant le quinquennat Sarkozy, ce sont 12 500 policiers et gendarmes qui ont été supprimés par le fait du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Ces postes n'ont toujours pas été compensés, alors que l'augmentation de l'activité policière ne cesse de peser sur l'activité de mes collègues qui se retrouvent, pour ceux qui sont en investigation, jusqu'à 200-300 dossiers par fonctionnaire. C'est ingérable. C'est ingérable et pourtant rien n'est fait. Nous savons que la menace terroriste pèse sur notre pays. Nous avons identifié les auteurs. Nous savions qui était ce monsieur Laroussi Abala. Il a été interpellé, il a été jugé, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour avoir organisé une filière djihadiste entre la France et le Pakistan en 2013. Que faisait-il dehors ? Cet individu qui a été géré par l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidy, qui je le remercie pour sa liberté de parole, pour sa volonté d'éclairer l'opinion, avait été clairement identifié comme quelqu'un d'imprévisible. Il était surveillé, il faisait l'objet d'une fiche S. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu l'empêcher de passer à l'acte ? C'est complètement scandaleux. C'est scandaleux de savoir que nous avons identifié, nous avons fait remonter l'information à l'exécutif comme quoi des Laroussi Abala, il y en a 4000 sur notre territoire prêts à passer à l'acte d'un claquement de doigts. Tout cela, mesdames et messieurs, c'est une question de volonté politique. C'est une question. Il faut refuser ce discours qui est tenu par notre exécutif, qui consiste à dire il faut être résilient, c'est-à-dire vivre avec, c'est-à-dire faire comme si, de toute façon, c'était une fatalité. C'est complètement faux. Nous avons, pour peu que nous ayons les instructions claires, les moyens de vous protéger. Mais je vais désigner des responsables, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais les principaux responsables, je vais vous le rappeler, mesdames et messieurs. Ce sont celles et ceux qui ont voté pour François Hollande. Ce sont celles et ceux qui ont voté socialiste. Ces gens-là ne sont pas arrivés au pouvoir par un coup d'État. C'est pourquoi je réitère l'appel à la résistance que j'ai lancé à l'ensemble de mes collègues. Je les appelle à faire la même chose que moi, à se départir de leur obligation de réserve, de manière à informer la population, car ce sont eux les électeurs qui peuvent mettre à notre tête un exécutif qui tient la route. Merci. Deuxième partie de Vive l'Europe, toujours avec Sébastien Jalamion. J'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que vous avez également été agressé. Il me semble que c'est en 2016, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une agression qui a été relatée dans une interview que j'avais donnée dans le cabinet de mon avocat, maître Gabriel Versigny, en fait, du barreau de Lyon. J'avais été contacté par un journaliste qui fait traite différents sujets sur YouTube et qui avait émis le souhait de me faire raconter à la fois mon histoire et à la fois les circonstances de mon agression. Et donc, ne connaissant pas cette personne, et après en avoir informé mon avocat, on a décidé de faire cette interview dans son cabinet et en sa présence. D'accord. Donc, elle est présente sur YouTube. N'importe qui peut la trouver. Moi, je l'ai vue hier encore. Et c'est d'autant plus... Donc, ça permet, si vous voulez, d'éviter de revenir dans tous les détails et de trouver l'information dans cette interview, sachant qu'à la suite de sa diffusion... J'étais pas encore révoqué, j'étais suspendu à l'époque. Et donc, par conséquent, j'ai été convoqué par un service de police de Lyon à la demande du procureur adjoint, oui. Qui voulait savoir ce que j'ai voulu dire dans telle ou telle phrase. Et le motif de la convocation, c'était
le délit de discrédit sur une décision juridictionnelle. Oui, oui, oui. Alors, pour information, le délit de discrédit sur une décision juridictionnelle, c'est très rare. Il existe, comment dire, dans le code pénal, mais dans les faits, il fait partie de ces infractions dont on dit qu'elles sont tombées en désuétude, faute de cas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de condamnation. Oui, oui, oui. Et par conséquent, c'était un peu fort de café. Et c'était d'autant plus curieux que la secrétaire du syndicat de la magistrature, très ancrée à gauche, c'est eux qui avaient fait le mur des cons, pour information, avait donc comparu pour le même motif devant une juridiction de jugement pour discrédit sur une décision juridictionnelle, parce que je crois qu'avec une association, Droit de l'Homiste, ils avaient critiqué une décision de justice défavorable à un migrant. Et donc, par conséquent, ils avaient fait un tract rendu public. Oui. Et donc, elle avait été renvoyée de ce chef devant une juridiction de jugement. Discrédit sur une décision juridictionnelle. Elle a été relaxée, justement, parce que ce délit, on peut considérer qu'il n'existe plus. Okay. Mais pour moi, ça suffit pour me convoquer et me faire préciser ce que j'ai voulu dire dans telle ou telle phrase. Oui, en, oui. En l'occurrence, que j'avais l'impression que la décision de justice qui avait été rendue à mon égard était plus politique que juridique. C'était ça, la phrase. Ouais, ouais, ouais. Ça avait blessé le procureur adjoint, donc il me fait convoquer dans le cadre d'une procédure. C'est incroyable. Et par conséquent, après avoir répondu aux questions, la capitaine de police qui m'a auditionné, qui elle-même n'avait jamais vu ça, transmet mon audition au procureur. Ça ne lui suffit pas. Il lui fallait d'autres questions. Alors, il lui envoie une instruction parquet, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire il lui donne l'ordre de me reconvoquer à nouveau. Et là, par contre, elle n'a pas marché dans la combine. Elle m'a téléphoné en disant « Bon, me demande de vous reconvoquer, je ne vais pas le faire. Voilà, il veut savoir le numéro de téléphone du journaliste qui vous a interviewé. » Voilà, c'était juste ça. D'accord. Voilà. Okay. Donc, par conséquent, à la suite, quand on fait l'objet comme ça d'une procédure, y compris dans le cadre d'une audition libre, on peut demander au procureur de la République les suites. Oui, oui, oui. Mon avocat, maître Gabriel Versigny, a fait 3 courriers au procureur. Il n'a jamais reçu de réponse. Donc là, on est à la limite de l'abus de pouvoir, on va dire. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais bon, moi, je ne suis pas du genre à attaquer sur le plan procédural. Je suis plus du genre à me défendre. Ouais. Par contre, attention au match retour. Voilà. Mais il apparaît que là, pour le coup, s'agissant de mon agression, plus que mystérieuse, j'ai un certain nombre de réponses que je ne peux pas dévoiler publiquement, mais qui me permettent de ne pas exclure, on va dire ça comme ça, le lien direct entre mes déboires et les violences que j'ai subies, oui, voilà, oui, et qui ça. Ont été perpétrées, simplement pour informer ceux qui n'auront pas cherché la vidéo ou l'interview, par une pluralité d'auteurs à Lyon, de nuit. D'accord. Et qui m'ont valu d'avoir des blessures particulièrement sérieuses. Et ouais, je montrerai une photo. Je peux dire que une tierce personne qui est intervenue m'a sauvé la vie. Oui. Et que c'est grâce à des témoignages que les auteurs ont pu être confondus, jugés et condamnés, respectivement à 3 mois et 6 mois d'emprisonnement, ce qui est vraiment pas cher payé. D'accord, ouais. Ce qui est vraiment pas cher payé. Et à l'issue d'une enquête qui a traîné en longueur, puisque ça a pris 1 an, alors que j'ai appris après coup qu'on avait tous les éléments pour pouvoir aller les chercher par la peau du cul dès le lendemain, quoi. C'est l'immatriculation du véhicule emprunté à l'attente de l'un des mis en cause. Enfin, voilà. Enfin, bref. Donc, on avait une agression flagrante, quoi. Ouais. Et donc, la possibilité d'aller les chercher en flagrant délit, et tout a été... Ah ouais, donc là, c'était très grave. Saboté. L'enquête de flagrance a été clairement sabotée. Et je dirais presque que c'est un coup de bol. C'est grâce à la détermination de certains de mes collègues, ouais, et des gendarmes aussi, que je salue au passage, ouais, qui ont fait un excellent travail de recherche et d'investigation. Des témoins aussi qui ont maintenu. Voilà. Et simplement, le seul regret que j'ai, c'est que dans le cadre de leur garde à vue, ouais, il y a eu une confrontation qui a été faite. Et ensuite, ils ont été directement présentés au parquet, jugés, condamnés en comparution immédiate. Et donc, du coup, ça a empêché tout le travail de renseignement. D'accord. En amont, pour en savoir plus sur leur motivation. Et il est possible de rechercher un certain nombre de choses, pour peu que l'on veuille. Et pour ça, il faut simplement ouvrir une information judiciaire. Ça n'a pas été fait, et donc il y a des réponses que j'ai obtenues en off, mais qui n'ont pas été apportées par l'enquête préliminaire qui a été menée, les concernant. Et voilà. Est-ce qu'à un moment, au milieu de toute cette aventure, c'est pas le mot, mais de tout ce parcours du combattant, est-ce que vous avez regretté parfois... L'aventurier contre tout guerrier, ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que vous vous êtes dit,
Putain, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Non. J'aurais dû faire coucou, je panier. Non, non, non. Il est clair que on pourrait être amené à remettre en question, je dirais, le « Ah, bon sang, si j'avais su, j'aurais pas fait ça, vu tout ce qui m'est arrivé. » Non. Non, je suis convaincu que, inévitablement, la réaction que j'ai eue, oui. Je pouvais pas ne pas l'avoir. Donc, c'est comme si je reniais le fait d'avoir réagi de telle manière. Donc, il fallait que je rejoigne le troupeau et que je dise « Ah ouais, finalement, pas d'amalgame, non, non, c'est pas ça l'islam, non, pardon, je me suis trompé, excusez-moi, je présente mes excuses à l'ensemble de la communauté musulmane, je voulais pas stigmatiser Al-Baghdadi, oui, c'est vrai, j'aurais dû mettre son nom pour que tout le monde comprenne que c'était bien lui, pardon, pardon, monsieur le juge, pardon, la hiérarchie, non. » J'irais même plus loin, je dirais simplement, si vous regardez cette vidéo, j'en ai pas fini avec vous, vous le savez très bien, comme vous n'en avez pas fini avec moi, mais il est hors de question de vous laisser entendre que vous gagnerez à la fin. Enfin, sans que je puisse me battre jusqu'au bout. Je suis pas en train de menacer qui que ce soit. Je suis simplement en train de dire, plus vous tapez fort, plus je suis déterminé, ce qui est tout à fait normal. Donc, à partir de ce moment-là, ce genre de méthode qui consiste à vouloir détruire la vie de quelqu'un, oui. de vouloir le harceler, mais ça allait juste... Ils ont même mobilisé les réseaux trotskistes au moment de la sortie de mon bouquin pour essayer d'allumer un contre-feu. Ça a fait pchit, maintenant ça ressort. Enfin, ils essayent, je dirais, un petit peu tous les moyens possibles et inimaginables. D'ailleurs, je révèle à la fin de mon livre de qui il faut se méfier, et qui a aujourd'hui qui revêt une autre forme. C'est-à-dire que pour moi, ceux qui sont à l'origine de mes déboires ouais. Ont juste changé de nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les appelle les LROM. C'est les mêmes. Ouais. C'est un tour de passe-passe, quoi. C'est le Parti Socialiste, LROM, c'est les mêmes. C'est eux qui sont toujours aux commandes. Et depuis la vague d'attentats que la France a connue, on a toujours le même type de réponse. Ouais. Donc plutôt la même absence de réponse. Mais c'est un toboggan qui va vers le bas, ouais. mais toujours dans la même direction. Et c'est pour ça qu'il faudrait s'interroger aussi au niveau géopolitique. Quels sont les intérêts de la France? Quelles sont les alliances qu'on peut avoir avec les États wahhabites comme l'Arabie ouais. saoudite, le Qatar? On vend des armes à l'Arabie saoudite. Ça se sait, secret d'État, il ne faut pas le dire. On essaye de les vendre en catimini, c'est ridicule parce que tout le monde le voit, c'est filmé. On vend des armes à l'Arabie saoudite. On a des intérêts financiers avec le Qatar. Le Qatar investit dans notre pays. Des gens vont faire des conférences au Qatar sans les nommer, un ancien président de la République. Ouais, ouais. Bon. Ces amitiés-là font qu'en contrepartie de leur investissement, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas comment dire « Ah oui, la France est un beau pays, je vais placer mon argent. » Non, il y a des mosquées qui sont construites. Des mosquées cathédrales qui sont détenues, ils se font concurrence. Tantôt le Qatar, tantôt l'Arabie saoudite, c'est un islam wahhabite. Le wahhabisme, c'est le salafisme. C'est la même chose, c'est l'islam radical. Ouais. Et on nous dit, on va signaler les gens, etc. Mais admettons justement que quelqu'un ait une information qui permette de démanteler une cellule radicalisée au sein d'une mosquée détenue par l'Arabie saoudite. Que croyez sérieusement que ça ne va pas se gérer en haut lieu autrement, quoi. Raison d'État. On a des contrats d'armement avec eux, pas touche. C'est évident. C'est évident. Ce n'est pas de la théorie du complot. Ce que oui, c'est... Donc, on a laissé rentrer le loup dans la bergerie et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la menace n'a rien à voir avec ce fondamentalisme religieux qu'on accueille chez nous. J'ai donné un exemple. Quelques jours avant... l'attentat, c'était en septembre, fin septembre, ouais. Est inauguré en France le centre, l'Institut de la civilisation musulmane à Lyon, précisément, qui avait un projet pour lequel Gérard Collomb, qui est un grand défenseur de l'islam des Lumières, qu'on m'explique ce que c'est, parce qu'on n'a toujours pas saisi sa définition. Bah, lui, il a trouvé, donc, apparemment. Il y a l'islam des Lumières et l'islam souterrain. Bon, voilà. Qui est un grand défenseur de l'islam des Lumières, et il subventionne à hauteur de 1 million d'euros, certes pas la majorité du coût de ce bâtiment, mais donc l'Institut de la civilisation musulmane, qui est un institut de propagande qui vise à démontrer à ceux qui le visitent que l'islam est une grande civilisation, etc. Civilisation musulmane, je ne sais pas ce que c'est, moi, personnellement. Mais bon, paraît-il, ça existe, et ceux qui veulent en savoir plus peuvent rentrer là-dedans et le constater par eux-mêmes. Et donc... Pour l'inauguration de ce bâtiment, était venu Christophe Castaner, alors que ce n'est pas un lieu de culte. On pourrait dire, mais il est ministre de l'Intérieur, donc il est ministre des cultes. Non, là, c'est un institut, soi-disant, culturel. Culturel. Bon. Alors, par conséquent, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, il vient en personne, inaugurer, il pose pour la photo, à côté de Gérard Collomb, de quelques élus à l'ROM.
à côté de l'ancien ministre de la Justice saoudien, qui était venu à l'invitation du CFCM, je crois, enfin de l'un des conseils du culte des musulmans de France, qui se présentent comme des musulmans laïcs, modérés, etc., et qui l'ont invité à une conférence, alors que c'est une personne qui a condamné 500 personnes à mort dans son pays, voilà, ça c'est la charia, etc., mais qui est aussi donc celui qui a fait condamner le blogueur saoudien Raif Badawi, qui a été condamné pour mémoire à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet, c'est-à-dire la peine de mort, pour avoir critiqué l'islam. Et dont l'épouse est réfugiée au Canada actuellement et milite pour la libération de son mari. Elle a des enfants, etc. Et donc, ils essayent de maintenir la pression internationale pour faire en sorte qu'il ne lui arrive pas quelque chose en prison. Ils ont déjà réussi à faire suspendre les coups de fouet au bout de 50. Et donc, cette femme militante, laïque, car apostate, apprenant la visite de cet islamiste en France, a fait le voyage du Canada pour venir manifester à Paris. Elle n'a pas été reçue, ni quoi que ce soit. Et le lendemain, Castaner pose à côté. Donc je dirais aujourd'hui, après, il y a un attentat, on nous dit, on va lutter contre l'hydre islamiste, alors qu'on a le ministre de l'Intérieur qui pose fièrement pour une photo, juste à côté, sans l'avoir, ou sans comprendre au moins où est le problème. Tout ça pour des intérêts financiers qui nous échappent. En tout cas, pour des intérêts qui ne sont pas ceux, comment dire, qui sont révélés à l'opinion. Alors, malgré évidemment la pression qu'il y a sur les policiers, les nombreux suicides chaque année, est-ce que vous comprenez la défiance que le milieu patriote peut ressentir vis-à-vis des services de police, notamment avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, où on a vu une police très répressive, alors qu'elle ne l'est pas avec les racailles. Donc évidemment, il y a eu un côté, une révolte. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors déjà, il faudrait définir qu'est-ce que c'est que le milieu patriote. Pour moi, il y en a plusieurs. Mais bon, je peux comprendre qu'une partie de ce qu'on va appeler la droite nationaliste, la droite nationale, on va l'appeler ça comme ça, contre laquelle je n'ai absolument rien. J'ai peut-être reformulé ma question. Non, mais reformulé une partie de la droite nationale est déjà traditionnellement, c'est ça, je dirais, opposée aux forces de l'ordre et qu'elle considère comme étant des... des collabos, Oui, en tout cas, des gens qui collaborent, oui, effectivement, avec le pouvoir, en ce sens que c'est le bras armé d'une certaine, oligarchie qui ne défend pas les intérêts de la nation. Je l'entends. Faut pas caricaturer pour autant. Le problème avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que d'une part, il a été très mal géré. On nous a présenté au début que c'était justement des factieux d'extrême droite ou de l'ultra-droite. Ensuite, on nous a raconté que c'était des antisémites. Ensuite, ça a été, je dirais, une succession de slogans pour essayer de discréditer un mouvement légitime, populaire, apolitique, contrairement à ce que certains peuvent dire, mais qui effectivement se rapproche des discours de certains partis politiques qui sont plutôt ancrés à droite, tout simplement parce que c'est les seuls à dire ce que vivent ces gens-là au quotidien, quoi, et qui sont, je dirais, sensibles à leur détresse. Ouais. Et par conséquent, le fait d'avoir voulu les diaboliser et d'avoir voulu faire, apporter une réponse répressive et exclusivement répressive au départ, ça n'a fait qu'aggraver les choses. De tous les côtés, ceux qui n'étaient pas, je dirais, ceux qui sont par nature hostiles à la police, que ce soit l'extrême gauche ou certains de la droite nationale, ça n'a fait que les conforter de leur position. Mais pour autant, j'ai envie de dire, attention de ne pas caricaturer. D'une part, il y a des policiers qui sont gilets jaunes, ils en prennent plein le cul. Je voudrais rappeler le cas du syndicaliste Alexandre Langlois, du syndicat Vigie, qui a été suspendu pour un an pour ses prises de parole où il fustigeait justement Castaner par rapport à l'action répressive du tout répressif des Gilets jaunes, entre autres. On lui a reproché d'avoir manqué à son obligation de réserve, alors qu'il est syndicaliste et que c'est son rôle, justement, de prendre la parole publiquement pour exprimer ce que ressentent une partie des policiers. J'aurais parlé de Laurent Cassio-Marie, qui est un policier dont je ne vais pas donner beaucoup de détails, parce qu'il le fait lui-même dans deux livres qu'il a écrits, « Policiers et Gilets jaunes », pour l'un d'entre eux. J'ai oublié le titre du second, mais vous pouvez les trouver sur Internet. Et donc, y compris des officiers de police qui sont solidaires de la population. Donc, bien sûr, ils ne vont pas être invités sur les plateaux télé. Bien sûr, on ne va pas les voir. J'ai un de mes collègues qui, lors des premiers actes
était en charge d'assurer le périmètre autour de la manifestation des Gilets jaunes. Il a posé son scooter police, il a mis son gilet jaune dessus et il a pris une photo. D'accord. Il l'a mis sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce faisant, il risque énormément. Mmh. Il risque une sanction disciplinaire. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et effectivement, j'ai aussi des collègues qui ont décidé, notamment dans le corps des CRS, de poser des tickets maladie les jours de manifestation pour pas participer à cette mascarade. Quoi. Ouais, ouais. Mais il est clair que quand on est en unité constituée, les gars, ils font leur boulot. Mmh. Alors certes, ce qui a nui à l'image des forces de l'ordre, mais ça, je dirais que c'est inévitable, c'était les comportements individuels de certains membres des forces de l'ordre, qui sont tout simplement inacceptables. Moi, je suis désolé, j'ai regardé, j'ai suivi depuis le début, et je soutiens le mouvement des Gilets jaunes, même si on peut considérer aujourd'hui qu'il a été clairement noyauté par l'extrême-gauche, et par d'autres... mais en tout cas, voilà, il a été récupéré. Les Gilets jaunes, pour moi, c'est pas ceux qui manifestent tous les samedis, là, actuellement, ou pas que, en tout cas. Voilà, c'est ceux qui, au contraire, ont compris que ça servait plus à rien, parce que c'est le meilleur moyen de se faire casser la gueule ou de se retrouver éborgné, et qui sont en train de réfléchir à comment faire pour... voilà, se révolter, mais autrement, quoi. Parce que là, ils ont bien vu que c'était une impasse, quoi, au bout d'un an, voilà. Et donc, quand je vois ces bavures, parce que c'est clairement des bavures, je suis désolé, quand on projette au sol une dame âgée inoffensive, ou qu'on la gaze à bout portant, ou, j'aimerais qu'on m'explique violent. Quelle est la logique, quoi. Et puis là, il n'y a pas d'ordre derrière, donc c'est des comportements individuels. D'accord, voilà. J'ai suivi en direct la vidéo... de Rodriguez qui a été éborgné par un LBD, j'ai été choqué, quoi. Et donc par conséquent, je peux comprendre, c'est un peu la confusion, c'est-à-dire qu'on voit des individus qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, c'est toujours les mêmes, en plus en région parisienne on les connaît, je veux dire, c'est essentiellement des groupuscules d'extrême gauche qui, en temps normal déjà, toutes les semaines, on n'en parle pas, dans le 18e arrondissement ils s'en prennent aux forces de l'ordre, mais dans la volonté de tuer, quoi. Ils leur balancent des trucs sur la gueule, c'est pas pour blesser, hein. Et donc ils sont actifs, ils pratiquent, ils ont des techniques de guerrière urbaine, ce qu'on appelle les black blocs aussi. On se fond dans la manif, on frappe un grand coup, boum, on se redéguise, on ne nous voit plus. C'est une technique, les black blocs, hein. Ce n'est pas des individus. Il y a beaucoup qui disent les black blocs, ça ne veut rien dire. Un black bloc, on fait un black bloc, ça veut dire on se mélange à la foule. C'est un mode opératoire, en fait. D'accord, d'accord. On se mélange à la foule. Je ne savais pas. On s'en prend aux forces de l'ordre et ensuite on redisparaît. C'est une technique de guérilla, entre guillemets, qui fait que eh bien, ça complique le travail de ceux qui veulent t'interpeller. D'accord, ou qui ne peuvent même pas riposter, parce que comme tu es au milieu d'une foule qui, elle, n'est pas hostile, on ne peut pas, je veux dire, gazer tout le monde. Bien sûr. Hein. Voilà. Ouais. Donc, il va falloir revoir, je pense, adapter la réponse des forces de l'ordre à cette technique. Et c'est assez difficile. Ça nécessite de revoir la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Mais encore une fois, c'est ravageur. Quand on voit... moi, j'ai vu dans le sud de la France, il y a quelques semaines, je ne sais pas, il y a une quinzaine de jours, une femme, c'est un gendarme mobile. Ce n'est pas un policier, là, c'est un gendarme mobile qui la prend par le bras et qui l'explose au sol. Mais quand je dis l'explose au sol, c'est qu'elle avait le visage... elle a dû avoir au moins le nez cassé, etc. Une dame qui a peut-être une soixantaine d'années et son seul tort, c'est d'avoir dit « lâchez-moi, lâchez-moi », quelque chose comme ça. Quoi. Donc, il la tire, boum, explosé au sol. Bon, même ses collègues étaient surpris, manifestement, ils ont relevé la dame, ils ont essayé de lui apporter les premiers secours, elle est partie avec les pompiers et tout, machin, mais c'est ce genre de pétage de plomb, je peux le comprendre, ça peut être lié à la fatigue, ça peut être... mais c'est inexcusable. Ça, ça a un impact au sein de la population, que même des gens qui pourraient dire « je soutiens la police » se disent au final « ouais, mais là, non, ça va trop loin, quoi ». Donc plus ça dure, mais les premiers responsables, ça reste encore les politiques qui laissent pourrir la situation. La réponse aurait été quoi ? On a déjà eu des cas où il y a eu des manifestations massives et où, à tort ou à raison, les présidents de la République ont tiré les conséquences et ont dit soit je change de gouvernement, parce que c'est quand même le chef de l'État qui a le dernier mot dans notre Constitution. Donc, il change de gouvernement et du coup, il place des gens qui mettront en œuvre une autre politique, ou alors il dissout l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça a pour effet de renvoyer les députés devant les électeurs. Les gens, généralement, ils ne revotent pas pour les mêmes. Donc, ça aurait eu pour effet d'avoir une cohabitation. Et certains disent que c'est grave. Moi, je suis désolé, ce n'est pas si grave que ça. Au contraire, chacun est dans son rôle. Le gouvernement d'un côté, le chef de l'État de l'autre, qui gère la politique internationale, et l'autre qui gère la politique intérieure. Ouais. C'est un bon compromis, ça recadre, au contraire, nos institutions et l'équilibre des pouvoirs. Alors que là, on a l'impression que les LREM ont les pleins pouvoirs. Il reste que le Sénat qui sort un peu son épingle du jeu, mais tout est entre les mains de Macron. Quoi. Et une dissolution aurait eu pour effet de rééquilibrer un petit peu tout ça. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'elle n'a pas été décidée, je pense, bien entendu. Oui. Mais en plus de ça, on a eu quand même en 2017 une élection législative avec un taux d'abstention record.
moins de la moitié des électeurs ont désigné la majorité des députés aujourd'hui qui votent des lois sociétales aussi importantes que celles de la PMA ou de la GPA. C'est quand même fou. Et quand on voit que parfois, il y a quelques dizaines de députés qui sont sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui votent des lois comme ça, qui engagent carrément la conception de la société, de la famille. On se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette revendication des Gilets jaunes, qui est le RIC, et que je trouve parfaitement... j'ai des amis suisses, pour eux, je dirais, c'est banal d'être consulté sur les sujets, étonnant de faire de pas des votations d'initiative, etc., pour contrecarrer une loi qui leur paraissent impopulaire. Ou pour, voilà, et... Par conséquent, je vais citer un exemple. On les a consultés une fois par un référendum sur le temps de travail. Ils voulaient diminuer le temps de travail. Les gars, ils ont voté contre. Les Suisses ont voté contre. Oui, ils ont voté contre et ils sont très contents. D'accord. Vous voyez qu'on est, c'est pas la même culture. Voilà, on est dans un autre monde. Mais il est clair que cette pratique de la démocratie nécessite aussi une certaine culture qu'on n'a pas forcément en France et qui pourrait se retourner contre nous. Si on ne le fait pas à l'échelle nationale. J'entends par là, imaginez qu'à l'échelle régionale, vous fassiez en sorte que ce soit le citoyen qui a le dernier mot. Ben, on peut dire adieu au Val-d'Oise, on peut dire adieu à la Seine-Saint-Denis, on peut dire adieu à tous les quartiers islamisés, à tous les départements où il y a un autre droit. Là, c'est la sectorisation du territoire. Et on parle beaucoup de territoires perdus de la République. Moi, je dirais plutôt que c'est des territoires perdus de la France. Plutôt que de zones de non-droit, c'est suite à l'apparition d'un livre en fait, sur la question, qui était, je crois que c'était un ancien enseignant qui avait écrit cet ouvrage. Mais quoi qu'il en soit, ces zones de non-droit, c'est en fait des zones d'un autre droit. Oui, c'est ça. Parce que c'est là justement que la charia prospère, commence à prospérer. Mais il ne faut pas le dire, parce que si vous le dites, vous êtes islamophobe. Ouais. Et l'extrême-gauche s'en réjouit, parce que vu qu'ils sont islamo-gauchistes, on fait le choix de cet électorat-là et participe aussi de l'interdiction de la critique de l'islam. À tel point que c'est le scénario de soumission, c'est Welbeck. Des militantes associatives comme Nadia Remanna de la Brigade des Mères, par exemple, avait fait une émission, je crois que c'était sur le journal de France 2, avec Pujadas, où elle a fait un testing avec une caméra cachée dans un bar de Sevran. Vous avez vu le nombre de contre-feux qui ont été allumés après, les levées de boucliers, c'est pas vrai, ça n'existe pas, etc. Le déni, quoi. Voilà, donc, alors que, bon, elle sait un petit peu de quoi elle parle. Je veux dire, c'est sa vie, elle y vit. Voilà. Et donc, il faut écouter ces gens-là aussi, qui ont des choses à nous dire. Quand on voit que même les gens issus de l'immigration, vivant dans ces quartiers, étant soit de familles musulmanes ou anciens musulmans, ou musulmans parfois eux-mêmes, mais qui ont décidé de plus pratiquer ou une pratique légère, quand cela tire le signal d'alarme et qu'on les traite de fachos, c'est dire ce qu'ils feront vis-à-vis des Français de souche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on traite comme ça les Français de branche, qui nous montrent l'exemple en défendant chez nous, alors qu'ils viennent d'ailleurs, nos propres valeurs et notre pays, ça devrait nous encourager à faire la même chose et à comprendre qu'il y a un problème et qu'il est grave. Ouais. C'est vrai que maintenant, ne pas être Français de souche ne suffit pas à ne pas être traité de raciste. C'est-à-dire que maintenant, clairement, c'est le discours en fait en lui-même, c'est clairement. Pas l'appartenance ethnique, quoi. C'est terrible. Clairement. Par rapport aux policiers, moi j'ai une théorie un peu psychologisante, vous me dites si c'est des bêtises, mais est-ce que... Finalement, je m'allonge sur le divan. on va voir un peu où est le problème en profondeur. Non, mais le fait qu'il y ait eu ces débordements avec les Gilets jaunes, est-ce que ce n'est pas la manifestation, ou comment dirais-je, le mot exact, c'est une espèce de vengeance, parce qu'il y a une impuissance à lutter contre les vrais racailles. Donc, en fait, les flics, quand on les autorise à taper, eh ben, ils tapent fort, peu importe contre qui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un peu ce côté compensation. Il faut se méfier des visions réductrices sur tous les sujets. Mais là, en l'occurrence, on peut difficilement dire les policiers, globalement. Je pense qu'il faut distinguer les cas où le policier peut faire preuve de discernement, où il peut dire « j'interviens, j'interviens pas », et le maintien de l'ordre. Oui. Le maintien de l'ordre, c'est vraiment très particulier, très encadré. Et d'ailleurs, lorsque les fonctionnaires de police, qu'ils soient agents de police judiciaire, officiers de police judiciaire ou autres, sont en unité constituée dans une opération de maintien de l'ordre, ils perdent leur qualité d'APJ et d'OPJ. C'est dans le code de procédure pénale. D'accord. C'est-à-dire qu'on est des soldats. OK. Et le patron, c'est celui qui donne les sommations, qui dit vous allez à droite, vous allez à gauche. On est des robots à ce moment-là. Je comprends. Et donc, par conséquent, si on dit pas de prisonniers, vous nettoyez tout ce côté de la rue, le gars ne va pas dire ah, objection, non, j'estime que c'est un petit peu trop virulent. Non, on y va. Quoi. Voilà. Donc après, il y en a
qui sont sollicités tous les samedis, qui ne sont pas seulement sur ces fronts-là, parce qu'il n'y a pas que les manifestations des Gilets jaunes en France. Hein. Les collègues étaient bien épuisés bien avant, quoi, avec tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. On tire sur la corde. Il suffit de regarder, pour s'en convaincre, le nombre d'heures supplémentaires qu'il y a dans la police nationale. C'est plusieurs millions d'heures. Hein, on en est. Ça peut aussi expliquer pourquoi certains fonctionnaires en arrivent à un découragement, à un niveau de fatigue où ils réfléchissent même plus, ils se tirent une balle dans la tête. Voilà. Autodestruction ou violence. Et donc, il peut y avoir aussi au sein de ces fonctionnaires des gens qui sont épuisés, des collègues qui sont complètement épuisés et qui ne devraient même pas être dans la capacité d'être en uniforme sur la voie publique tellement ils sont épuisés, tellement ils sont fatigués. Est-ce qu'il faut leur reprocher à eux ? Moi, j'ai écouté l'interview de Jérôme Rodriguez après qu'il ait perdu son œil. Je ne partage pas toutes ses idées, mais j'ai une grande admiration pour le sang-froid dont il a fait preuve et pour son message pacifique. Oui. Où il était en position, s'il l'avait voulu, de pouvoir faire en sorte que les choses dégénèrent. Ouais, ouais, ouais. Il a au contraire eu un discours assez constant et je suis assez admiratif de ce genre de personne qui, même confronté à une mutilation aussi grave, est capable de dire comme il l'a fait qu'il n'en veut pas aux policiers qui a tiré. Je mets au défi celui qui perdra un œil sur le terrain suite à un tir de LBD, d'avoir la même sagesse que cet homme-là. Oui, alors qu'il aurait pu mettre le feu aux poudres, il aurait pu dire « laisser la guerre totale ». C'est-à-dire qu'il est capable de dépasser la violence directe dont il a été victime pour comprendre qu'il y a autre chose derrière. C'est vrai. Et que pour que lui en arrive à être à cet endroit-là et le policier en face qui a fait feu à un autre endroit-là, il y a des vrais responsables qui sont au-dessus et qu'on ne va pas chercher, quoi. Ouais. Alors, pour en revenir à l'affaire Harpon, parce que tout le monde a que ça sur les lèvres en ce moment. On a parlé donc des conséquences potentielles au niveau du renseignement qui sont absolument terribles. Mais moi, ce que je voulais vous demander, c'est par rapport à la police elle-même en interne, est-ce que ça va augmenter les tensions qui peuvent exister entre, je dirais, des policiers patriotes classiques et des policiers musulmans en phase de radicalisation, etc. Est-ce qu'il peut y avoir ce... Est-ce que vous avez constaté au sein de la police, par exemple ? Alors déjà, je pense que les choses ne sont pas ce qu'elles étaient au moment où j'étais encore en poste. Ouais. Je n'ai pas non plus le don de clairvoyance, mais j'imagine mal un scénario où il y a d'un côté les policiers musulmans et de l'autre côté les autres. Ça n'existe pas, ça. Hein. On ne fait pas des patrouilles, des brigades de la charia avec à côté... non. D'accord, ouais. Donc déjà, ils sont intégrés dans une équipe. Donc à partir de là, je dirais qu'à partir du moment où il y a la confiance entre les fonctionnaires, on s'en fout de savoir qui y prie quand ils rentrent à la maison. On est d'accord là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Bon, voilà. Et par contre, là où ça peut poser un problème, c'est quand il y a des cas qui sont borderline et qui n'ont pas été signalés, qui vont l'être, et où il y a un risque de retour de bâton contre le fonctionnaire qui va signaler. D'accord, ouais. Parce qu'encore une fois, les beaux discours à chaud de la classe politique, c'est une chose, mais la réalité dans les faits, c'est qu'ils ont la loi pour eux, en ce qui concerne les fondamentalistes, qui, du seul fait qu'ils sont fondamentalistes, se feraient évincer de l'administration. Oui. C'est sûr d'obtenir une... Alors certes, ils disent, c'est bon, on s'est débarrassé du problème, on l'a viré, mais si c'est illégal, il fait un recours devant le Conseil d'État, l'État est condamné à deux choses. Déjà, il doit réparation aux fonctionnaires concernés, et comme c'est l'État qui paye, ben c'est le contribuable. C'est dingue. Donc après tout, le chef de service qui vire, il s'en fout, c'est pas lui qui est condamné après derrière. Simplement sur la situation administrative de la personne concernée, je dis. Ouais, ouais, ouais. Mais en plus de ça, l'État est condamné à remettre le fonctionnaire dans la situation où il serait si la décision attaquée n'avait pas été prise. Donc ça veut dire qu'il est réintégré, tout simplement. Quoi. Donc c'est le bal des faux culs. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par une solution législative sans quoi on est prisonné d'un système. On est en train d'envisager de réformer nos lois. Ouais. La loi de 1905 pour l'adapter à l'islam. C'est ça, en fait, qui revient sur le tapis. C'est pas un certain journaliste, Jean-Michel Apathy, qui a lancé l'idée. Hein. Il fait parler de lui par rapport à ça. Mais l'idée, elle est dans les tuyaux depuis pas mal de temps. Et donc, c'est un projet de loi du gouvernement. D'accord. Et, d'ailleurs, il y a eu des évaluations qui ont été lancées par Christophe Castaner. Et voyant les levées de boucliers, en particulier des francs-maçons, parce que finalement, c'est pas mes amis, mais je veux dire, ils ont été parmi ceux qui ont dit non là, pas touche à la loi de 1905. Ils ont réussi à faire reculer le gouvernement qui est pas allé jusqu'au bout du projet, mais c'est toujours dans les tuyaux. D'accord. Ouais. Et l'idée, c'est de soi-disant pour adapter la loi de 1905 à la réalité de la société. Donc on a compris, c'est pour adapter la loi de 1905 à l'islam.
ce qui serait dramatique, c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est un recul de la bien République sûr, face à c'est une la religion. C'est la fin des haricots, en fait. C'est la fin des haricots. Et sans parler de laïcité, parce que derrière la laïcité, on met beaucoup de choses, oui. Mais sans parler de laïcité, c'est simplement une démonstration de faiblesse face à un dogme totalitaire qui fait que derrière, l'islam remporte une victoire bien sûr, et ouais. est reconnu par l'État français. Oui, oui. Ce qui est une aberration dans le contexte actuel, quoi. Bien sûr. Déjà, il y a eu une victoire sur la presse parce que depuis Charlie Hebdo, il n'y a plus de caricature du prophète. Donc, pour les musulmans, ils ont gagné. Mm-hmm. Et là, si c'est vraiment un recul de l'État, alors là, c'est terminé, quoi. Alors, moi, j'ai une question, mais je ne suis pas certain que vous ayez la réponse. Mais parfois, je me dis, des pays comme ça où il y a régulièrement des attentats, où il y a même maintenant des islamistes dans la police... Est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres pays européens qui vont commencer à se dire « mais la France est un danger pour l'Europe », en tout cas l'État français. C'est-à-dire que les politiques migratoires et on va dire cette espèce d'indifférence à l'islamisation de la France va nous porter préjudice parce que Schengen, parce que libre circulation des individus. Enfin, moi, je me dis des fois, des pays comme la Hongrie pourraient dire à la France « mais en fait, vous n'allez plus chez nous ». D'accord. C'est difficile, mais... Alors déjà, vous êtes allé en Belgique ? C'est pire, ouais. Que Paris, ouais. Je crois que c'est le seul endroit que j'ai trouvé pire que juste Paris. Pour un exemple. Hein. Ouais. Après, bon, certaines régions, chez nos amis anglais aussi, ça va bien. Donc, tout ça pour dire qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Enfin, qui sont sur le point d'en sortir. Là. Mais tout ça pour dire, c'est un phénomène qui touche tous les pays occidentaux. Mm-hmm. Certains s'en protègent. Vous avez cité la Hongrie, donc je dirais globalement ouais. les pays du groupe de Visegrad. Oui, oui, oui. S'en protègent. On les traite de lépreux, oui. On considère que c'est la honte, on nous ressort les raisonnements Adi Kleroum des années 30, je vois pas le rapport. Oui. Ils sont en situation de se défendre contre une invasion migratoire. Alors oui. après, les termes « oui, invasion, grand remplacement, facho », non, c'est une réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une immigration massive en provenance des pays africains, pas mmh. que, mais mmh. essentiellement aussi en provenance des pays africains, mmh. qu'on présente comme une espèce d'héroïsme, un oui. acte héroïque du migrant qui quitte son pays pour venir trouver quoi, d'ailleurs, oui, oui, oui. en Europe, et qui le fait au risque de sa vie, et donc nécessairement, on n'a pas le choix, il faut l'accueillir. Mmh. Ça, c'est des éléments de propagande. Oui, oui, et quand on gratte un petit peu, on découvre que derrière tout ça, il y a des ONG, oui. Bon, certes, il y a la presse, mais il y a des ONG. Et quand on gratte derrière ces ONG, on découvre qui ? On découvre souvent qu'elles sont financées par l'Open Society de George Soros, mm-hmm. dont on sait que ce n'est pas un grand ami des pays européens, oui. et que, par conséquent, on peut légitimement s'interroger sur le but de tout ça. Quoi. Mm-hmm. Alors, sans rentrer dans les théories du complot, il y a simplement une réalité, qui est un phénomène migratoire massif, qui peut être lié à la natalité, plus que, en tout cas, à la guerre, oui, comme oui. on le dit. Il y a une explosion démographique en Afrique dont on ne parle pas, alors qu'on s'intéresse beaucoup au réchauffement climatique, etc. Alors que c'est le sujet, c'est l'absence de ressources suffisantes pour nourrir l'humanité. Mmh. C'est ça le premier sujet qui va s'imposer à nous, mais pendant qu'on est vivant, là. Mmh, c'est sûr. Pas la planète qui va mais disparaître. Non, c'est en ce moment. Ouais. C'est en ce moment, c'est maintenant. Comment on va faire pour nourrir la population demain, quoi. Mmh. Comment on fait l'accès à l'eau, à l'eau potable. S'il y a des changements climatiques, que je ne nie pas, mm-hmm. mais qui ne sont pas aussi simplistes que ceux que nous disent Greta Thunberg et ses parents qui ont beaucoup d'intérêt derrière tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant de gratter derrière. Mais il apparaît que ce n'est pas parce qu'on va taxer les gens qui émettent du carbone oui. qu'on va empêcher les Africains d'avoir 10 enfants par femme. Et que n'ayant pas suffisamment de ressources, eh ben, ils viennent en... Et en plus, ils sont accueillis. En Europe, et en plus, on les accueille welcome, etc. Ce n'est pas parce qu'ils sont africains, ce n'est pas parce qu'on est raciste, mm-hmm. C'est parce que tout simplement, on a déjà une immigration qui en est à la troisième génération oui. et qui ne s'est pas intégrée. Il suffit de constater ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. dans les quartiers dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et moi, en tant que policier, je veux dire, j'ai commencé ma carrière en Seine-Saint-Denis à la BAC, alors n'importe quel gauchiste qui vient m'expliquer ce dont j'ai été témoin, oui. J'ai envie de dire ta gueule, quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. Je sais de quoi je parle un petit peu, quoi. C'était mon taf, c'était mon quotidien. Voilà. Et ça n'a fait qu'empirer depuis. Donc, par conséquent, ces quartiers-là dont il ne faut pas parler sous peine de les stigmatiser, oui. alors qu'ils se stigmatisent tout seuls, on est d'accord sur ce point, j'espère, ils se stigmatisent tout seuls. C'est sûr. Bon. Eh bien, si on rajoute une immigration par-dessus, on ne fait qu'aggraver la situation. Si on avait une politique, d'intégration
efficaces. Qu'on avait dit, bah tiens, la première, deuxième génération, on a pu les intégrer sans problème, il y en a des nouveaux qui arrivent. C'est pas si grave, ça nécessite un effort collectif, mais on va y arriver. Et ils vont devenir des Français. Quand je dis ils vont devenir des Français, ça veut dire qu'ils vont vivre selon nos lois, nos valeurs. Mais pas du tout. Ils arrivent, restez comme vous êtes, c'est génial, c'est très bien. La rigueur, c'est ce vieux monde patriarcal, on est en train de le détruire. Là, c'est, on a l'impression que même dans ses rêves les plus fous, les 68, enfin, même dans leurs rêves les plus fous, les 68 arts n'auraient pas imaginé ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Quoi. Mais voilà, mais c'est un problème occidental. Et dont l'ampleur est telle qu'on peut légitimement s'interroger sur à qui ça profite. Quoi. À qui profite le crime? Là, c'est la question de base, mais il faut se poser la question. À qui profite le crime? Parce que ça profite nécessairement à quelqu'un. On a fait sauter le bouchon de la Libye, c'est pas pour rien. Bah, moi, je me dis des fois, est-ce que les grands patrons ne sont pas prisonniers des pensées à court terme? C'est-à-dire, par exemple, quand on voit, bon, vous faites livrer un truc comme une pizza, Uber Eats, ça va être un migrant africain depuis 2 ans. Maintenant, quand vous faites livrer à la maison, c'est un migrant, souvent un Africain noir. Donc, les mecs, on est pensé à court terme, c'est-à-dire, coûte-moi l'argent et tout. Récurrent, c'est les salariés de Chronopost. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Donc, ce sont des sans-papiers dont il est... Enfin, c'est interdit de les employer, on est d'accord. Mais a priori, maintenant, ce serait des sous-traitants de Chronopost, mais peu importe. Des entreprises, je dirais, exploitent clairement ces Africains, parce que ce sont essentiellement des Africains, en totalité. Pour livrer des colis, c'est ça, hein. Chronopost, c'est la livraison. Donc, ils touchent, je ne sais pas, 200-300 euros par mois. Enfin, c'est misère, quoi. Ça leur permet de les maintenir dans un état de pauvreté et surtout de les maintenir aussi sur notre sol, sans titre ni droit, sans droit ni titre. Ce sont des étrangers en situation irrégulière. Mais depuis le temps que ça a été révélé, sous la forme d'une manifestation ouvrière, orchestrée par la gauche. Allez, on manifeste. Oui, regardez, ils nous exploitent. Mais personne ne s'est posé la question de savoir, mais attendez, quelle entreprise? Et on va ouvrir une enquête contre cette entreprise. Ils n'ont pas le droit de faire ça, quoi. Mais non seulement ils n'ont pas le droit, mais je crois que les amendes sont très lourdes. C'est de l'ordre de 75 000 euros par employé, quoi. Enfin, ça peut faire mal. Et puis la Poste devrait répondre. Mais il n'y a pas eu d'enquête. C'est-à-dire que, voilà, on règle le problème, on marche sur la tête, à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit, regardez, ces pauvres migrants qui sont payés, exploités et tout. Ouais, d'accord. Mais enfin, derrière, il y a des gens qui les exploitent. Il faut les poursuivre pour qu'ils soient condamnés. Enfin, et à partir de ce moment-là, ensuite, on voit ce qu'on fait de ces individus. Certains ont peut-être la possibilité d'être régularisés, je ne le souhaite pas, parce qu'honnêtement, ce n'est plus possible. On n'a pas la place ni de les accueillir, ni de... sauf à le faire au détriment des Français... qui sont de plus en plus nombreux à vivre dans la précarité. Donc, moi, je suis désolé, mais les nôtres avant les autres, c'est le béaba, quoi. C'est le béaba. N'importe quel pays le fait, quoi. Et nous, on nous dit, ah, mais non, si vous faites ça, vous êtes raciste. Sûr, le concert est... Parce mais que... ça n'a rien à voir avec le rejet de l'autre, c'est de dire, opinion, on va d'abord s'occuper des nôtres. Une fois que tout le monde aura accès à des soins, à des logements, à un emploi, eh bien, à partir de ce moment-là, on fait venir de l'immigration en cas de besoin. Mais on en est arrivé à un point où on a tellement l'habitude de ne plus voir l'inversion des valeurs que ça passe comme une lettre à la poste. Quand on dit, ah oui, mais forcément, les migrants qui arrivent, si vous dites, ah ben non, on n'a pas la... vous êtes forcément raciste, alors que on ne va pas chercher à comprendre combien ça nous coûte, puisque l'idée reçue, c'est que c'est une chance pour la France et que ça continue à rapporter de l'argent. Il l'a redit, Jean-Luc Mélenchon, il a osé le dire. C'est une religion, en fait, quasiment. C'est quasiment une religion. Quand certains abordent le problème de l'AME, qui a atteint les 1 milliard d'euros, là, quand même. Alors, l'AME, même des élus LREM, face à des hommes politiques ou des femmes politiques de l'opposition, j'ai été surpris de voir leur niveau d'inculture politique. Ils ne savent même pas que ça concerne uniquement les étrangers en situation irrégulière. Et qu'ils croyaient que c'était pour les étrangers en situation régulière. Le gars, il a sa carte de séjour, boum, là, il... Non, ça concerne uniquement les clandestins. T'as ceux qui n'ont rien à foutre chez nous, soyons clairs. Voilà, parce que demain, Daniel Conversano, il arrive, il demande le statut de réfugié en France. Admettons, eh bien, on lui remet un récépissé immédiatement à la préfecture, qui vaut titre de séjour. Donc là, ce n'est pas un étranger en situation irrégulière. Pas droit à l'AME. Ouais, ouais,
D'accord. D'accord. Voilà. Donc, ouais. Faut bien distinguer. Donc, en regardant le montant de l'AME qui progresse, ça permet d'avoir une estimation de l'augmentation de l'immigration clandestine, qui par définition n'est pas chiffrée puisqu'elle est clandestine. Oui. Mais en tout cas, puisqu'on atteint 1 milliard d'euros, ça veut dire que le problème est quand même assez préoccupant. Je vous donne cette anecdote, cet exemple. Ma femme est interne en médecine et elle a travaillé, je peux le dire maintenant, elle était à Issy-les-Moulineaux. Et donc, elle a travaillé dans un service où elle a appris, elle s'en est rendu compte comme ça, que lorsqu'un migrant, donc un clandestin arrive et qu'on s'aperçoit qu'il a le sida, il est inexpulsable. Il ne sera jamais expulsé de France. Après, va-t-il être nationalisé français ? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on ne peut plus le faire partir. Alors, je voulais rebondir là-dessus en disant, j'imagine, je n'ai pas les chiffres, mais que le traitement trithérapie, voilà, c'est pour ça que ça doit coûter quand même relativement cher. Oui. Donc, ça doit peser aussi quand même pas mal sur le contribuable. Et par ailleurs, il faut regarder les statistiques sur le pourcentage d'Africains qui sont atteints de cette maladie. Oui. Et donc, parmi les migrants, on peut considérer qu'il y en a qui arrivent en étant séropositifs et qui bénéficient de soins gratuits, ce qui, à la rigueur, on peut dire sur le plan humain... Oui, c'est ça. On ne va pas les laisser mourir. Oui, oui. On est bien d'accord. Mais qu'on le rende inexpulsable, qu'on m'explique pourquoi. Oui, c'est ça. C'est ça, ça j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est à la France de payer pour toutes les personnes qui ont le donc sida c'est un petit à le monde je dirais... Bon, moi je ne suis pas partisan de... On ne va pas les soigner. Oui. Je dis, on les soigne, mais ils payent. Mm-hmm. Ce n'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient aux urgences en disant, je n'ai pas de papier, je suis en situation irrégulière, le médecin ne va pas dire, je ne vous soigne pas, on n'est pas aux États-Unis. Mais... Il va le soigner, mais par contre, derrière, on lui facture. Mm. Donc, soit il a les moyens de payer, il paye, soit il n'a pas les moyens, et puis donc, il fait l'objet d'un contentieux. Voilà, c'est ça. Vous savez, voilà, ça, c'est le béaba, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, ce n'est pas la solidarité nationale de payer pour quelqu'un qui n'a rien à faire chez nous. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est tellement du bon sens que le simple fait de le dire aujourd'hui, je pense que je vais avoir droit à un procès, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, c'est possible. Tellement on marche sur la tête, quoi. Ouais. Alors, pour terminer, quelle est la suite pour vous, Sébastien Jalamion ? Quels sont les projets à venir ? Alors, s'agissant de ma vie privée, je ne vais pas dévoiler des informations qui pourraient donner de mauvaises idées à ceux qui cherchent à me mettre des bâtons dans les roues. Mais disons que ma situation n'est pas stabilisée encore. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, les choses sont un peu compliquées. J'ai traversé une période un peu difficile cet été, d'ailleurs. J'ai failli me retrouver à la rue, tout simplement, je le dis clairement. Mais ça devrait s'arranger, grâce à la solidarité, notamment, d'un certain nombre de nos compatriotes qui se sont mobilisés pour m'éviter de me retrouver dans ce scénario un peu. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à ma combativité. D'accord. Notamment s'agissant de dénoncer ce que je dénonce depuis 2014 et dont l'actualité, malheureusement, nous répète que c'est bien réel et que ce n'est pas un simple fantasme d'extrême droite ou de facho. D'ailleurs, j'ai découvert que j'étais facho en 2014. Avant, j'étais plutôt militant UMP, j'étais plutôt, dans une droite qui aujourd'hui n'a pas forcément ma sympathie, mais qui commence à comprendre qu'elle a fait un certain nombre d'erreurs, en tout cas pendant le quinquennat Sarkozy. Et qui doit se remettre en question, et je dirais sur le plan politique, parce que là, sur le plan personnel, voilà, je n'en dirai pas plus, mais sur le plan politique, je suis de ceux qui, je ne vais pas dire qui rêvent, parce que je ne suis pas un rêveur, je suis plutôt un pragmatique, mais qui espère une alliance des droites. C'est pour ça que je soutiens toutes les initiatives, même si elles sont modestes, comme celle de la Convention de la droite. Comme... Bien sûr. Il faut se réunir, il faut parler, il faut comprendre qu'il y a le feu à la maison, et qu'on a... nécessairement, chez les LR, chez les RN, chez DLF, chez le Parti des chrétiens démocrates, on a nécessairement un socle commun, des idées communes, des idées certes jugées conservatrices, mais qu'il va falloir défendre parce qu'elles sont directement menacées et elles engagent l'avenir de la nation, et qu'il faut accepter d'en finir avec la guerre des chefs. C'est pour ça que je dis que je suis un peu rêveur, parce que c'est pas demain la veille. Ouais, bien sûr. Mais... Il faut continuer à lutter sans perdre espoir dans ce sens, parce qu'à mon avis, c'est le meilleur moyen d'éviter le scénario qui va se produire et qui passe par un chaos, je dirais... Je vais pas parler de guerre civile, parce que la guerre civile, ça voudrait dire qu'une partie de la population française se bat contre une partie de la population française. Alors là, il faut être logique. On a des territoires perdus qu'il va falloir reconquérir. Je n'appelle pas ça une guerre civile, moi. Bien sûr.
Alors, on rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, « À mort le flic », publié aux éditions Riposte Laïque. Je mettrai bien sûr un lien de commande dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Sans prix, je peux citer un ouvrage aussi. Bien sûr, et si vous voulez dire un dernier mot, n'hésitez pas. Voilà, alors je voulais simplement conseiller le dernier livre de Laurent Berton, une petite publicité gratuite. Voilà. Donc, c'est tout simplement la suite de Guérilla, le livre qui a fait couler beaucoup d'encre, déjà de par son réalisme, alors que c'est une fiction, on est bien d'accord, mais qui dressait un état des lieux par rapport justement à un effondrement de l'État en France. Ouais. Et donc là, il vient de sortir la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après l'effondrement ? J'en dirai pas plus, mais donc c'est aux éditions Ring. J'ai pas encore lu la suite, mais je suis impatient. Ouais. Mais voilà, il vient de sortir et je le conseille vraiment. Je viens de le terminer. Honnêtement, c'est d'autant plus effrayant que c'est tout à fait plausible. Oui. Voilà. Bah, très bien, merci en tout cas pour. Alors, on a fait un constat amer un peu de la situation en France, mais en même temps, c'est en sachant les choses qu'on peut agir sur elles. Donc merci encore et n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis ou à poser des questions. À très bientôt, vive la France, vive l'Europe.